Bon, on lance l'enregistrement. J'ai fait une intro. Cool enregistrement. Bonjour à tous, bonjour sur YouTube et bonjour Level Don. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec Swag et Jolan. Bonjour Swag. Bonjour. Jolan, faut dire. Et bonjour Trandel, tu es avec nous. Salut. Voilà, on se retrouve sur la suite de cette aventure de Hammer Watch, dans laquelle on va essayer de progresser un peu plus que la dernière fois, parce qu'on avait quand même bien pinaillé dans notre dernière vidéo. Et là, bah, cette fois, on va y arriver. Voilà, on a maintenant, on a le skill, on s'est entraîné dur, donc ça va bien se passer. Et bonjour le chat de Level Dawn, bonjour à Aruna qui vient de nous rejoindre. Allez, on est parti pour au moins 2 heures de live, voire peut-être 3, on verra. Pardon. Ok, faut reprendre le TP. Vous êtes gouré? En fait, ouais, c'est bien ça en fait. Enfin, le truc dont on parlait hier, faut activer celui-là. Comment ça, je fais des ronds avec mon nez pour moucher tellement j'ai un grand nez? Alors, où en étions-nous? Faut aller en bas. Ah, d'accord. J'ai activé le mode GPS. T'as une grosse flèche qui t'indique où aller, c'est ça? Non, j'ai un gros cerveau qui me dit ce que j'ai fait hier et qui me rappelle de la carte. Un gros cerveau? Ouais, je sais. Tu dois avoir une tête déformée alors. C'est impressionnant. Non, pas du tout. Ah, on a dû retourner en haut parce que on n'avait pas trouvé de checkpoint. Salut Mostarax, parce qu'on venait juste de terminer en fait le niveau où on était. Salut Mostarax. Ah, vous êtes quand même quelques-uns déjà, hein. Tout le monde ne bosse pas. Ça, c'est parce que vous avez lancé le sujet des tabourets et tout. Ou alors, c'est que les gens en fait sont en cours et nous regardent sur leur téléphone. Je sais pas si je veux dire que c'est bien ou mal. Oula, il y a un boss. Commence pas, Trandel, commence pas. Bah non, mais je viens de voir le boss. Est-ce que tu peux me. Oh, mais what the fuck? J'avais confiance en toi. Bah, je t'ai healé pourtant, je comprends pas. Ah non, mais commencez pas, c'est. Et en plus, c'est Swag qui meurt là. Putain, bah non, mais pourquoi c'est moi qui ai le plus de morts alors que je meurs jamais quoi. Ah, mais en plus. Bon, là, faut me le virer de derrière le mur, hein. Je peux rien faire moi. Bah non, c'est super pratique pour se cacher. Putain, ça commence bien quoi. Ouais. 2 minutes de live et c'est déjà le bordel. Je t'emmerde. Oula, mais... Parle dans le chat. Voilà, ça parle. La reprise est à 14h. Bah, courage à toi. On nous dit en plus que le sujet des chaises dont on a parlé hier a repris sur un autre live. Oui, c'est... Je suis pas d'accord, on aurait dû avoir l'exclusivité. C'était les premiers à en parler. C'était copyrighté tout ça. Ah, ils sont en train de parler d'utiliser des sorts de TP pour passer de l'autre côté de l'eau. Oh. Ok, on va retrouver ça. Ouais, mais y a un mec qui est passé de l'autre côté. Ah, il y a de nouveaux mobs, je les ai jamais vus ceux-là. Fourmi. Oh, c'est une araignée ça. Plante. Ouais, enfin. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est un peu entre les deux. Ça, ouais, je sais pas, hein, j'ai dit fourmi parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Non, t'as raison, c'est un ventre, enfin, c'est... Oui. Salut Nickname. Alors certains nous disent qu'ils sont là ce matin parce qu'en fait, ils prennent les cours que cet après-midi, bah tant mieux. Et de rentrer en douceur. Mm. Et comme ça, si vos profs après vous disent « Ouais, mais vous êtes des flemmards, le matin vous dormez et compagnie », vous pourrez leur dire « Ah non, moi à 10h je suis là, hein, pour regarder Swag et Jolan. Je me lève le matin, je suis pas vénère. » Pas de crasse, Matt. Une plante au milieu là. Oui. C'est ça qui a les combos. Mais pour ce heal, c'est bien ça. Oh, ça heal que dalle pour l'instant, ça fait du +1, +1, +1 quoi. Du coup, j'ai envie de faire des combos. Et ah voilà, parfait. Wow, les combos, je crois que je les aurais jamais. Ah bah non, t'en as besoin aussi. Bah ça te sert à... Non, ça me sert à rien puisque j'ai mon passif de heal, donc... Oula. Ah c'est bon, tu l'as?
Ah, c'est vrai que. J'ai acheté hier juste à la fin du stream. Ah, oh, c'est cool ça. Donc je. T'as tué encore nickname. Mais qu'est-ce que j'y vais là? Bah, et toi, quand t'étais en cours, tu faisais quoi? Rappelle-moi, tu regardais pas des sortes de hentai hein, avec des tentacules? Non. Non? T'as fumé toi? Je regardais pas des hentai en cours, bordel. T'es en train de dire des trucs très chelous. Mais tu regardais juste des une fois en cours d'anglais. Ah, voilà, c'est pas ce que je me disais. Je blague. Je sais pas pourquoi t'as déformé en ça. En plus, Trandel, toi, t'étais là aussi, non? Oui, ah, tu regardes des choses avec mais avec on regardait pas des hentai. Non. C'est pour ça que tu m'as dit que t'avais les tentacules après. Mais j'ai... je vous informe, il est en train de déformer complètement les choses. Et Mostarax qui est dans la merde parce que t'as pas fini tes devoirs de vacances. Je suis pas sûr qu'être sur le stream bon va t'aider à les faire. Plante. Oh putain. Oh putain. Je la snipe. En fait, je suis un sniper, moi. Ouais, c'est ça. T'es un sniper. Sauf que pour un sniper, tu fais pas beaucoup de dégâts. Hein. Oh. Je veux trouver des secrets. J'aime bien les secrets. Et ça régène vite, ah, là. Ah, il me désoriente. Je suis infirme. Ah pardon, c'est tu horrible. Ta vie, ton passif te régène rapidement ta vie ou pas? Un point de vie toutes les 5 secondes pour l'instant. Donc c'est pas grand chose, mais bon, ça me permet. Au secours, je vais mourir. Y'a des mouches! Tu pues! C'est vrai que je suis en train de mourir. Oui, mais j'ai plus de mana. Ah, hier tu faisais la fière, mais aujourd'hui. Mais je voulais checker ce que c'était ces mouches. Et si vous vous faites toucher par l'araignée, elle vous désoriente, c'est-à-dire que c'est inversé. Mmh. Genre la droite c'est la gauche et le haut c'est le bas. C'est fun ça. Ah oui c'est super marrant, j'ai trouvé ça très rigolo. Moi je fais des expérimentations pour vous. Hein. Oui le combo de heal. Ah il est planté. Ah mais si tu as dans les mouches elles te font mal en fait. Oui elles font mal. Ah les salopes, et tu peux pas les DPS. Un peu de vie. Ah, il y a un boss. Attendez, hop, voilà comme ça. Attends, stop. Ah. J'hésite à avoir l'esprit mal placé à chaque fois que je me prends le rayon lumineux du prêtre. Je me. En plus, à chaque fois, il me la met par l'arrière. Hein, c'est. Oui, bah, hein. Désolé. Arrêtez, c'est quoi cette révélation? Il n'y a eu aucune révélation. Mana. Oh, je parlais que c'était mana. On regardait des dessins animés japonais en cours. Et sauf que tout comme bon dessin animé japonais, il peut pas y avoir des nanas. Et à un moment, il y a forcément des monstres tentacules. Mais il n'y avait rien de hentai dedans. Côté japonais. C'est franchement, mais vous regardez même Sakura Card Captor, elle a eu le droit à ses tentacules. Hein. Tous les trucs japonais ont droit à leurs tentacules. Les petites culottes. Ah, ils sont auto-guidés leur crachat de merde. Ah, je peux les péter, c'est vrai. Ah, c'était ce que je me disais aussi, à un moment donné, j'ai essayé d'en esquiver un, puis d'un coup, je l'ai vu aller à droite vers moi aussi, je me suis dit, waouh. Une vie seulement. Ah merde, j'ai pris la bobo, même pas là dessus en plus. Voilà, c'est pas grave. Maintenant que j'ai mon passif de heal, c'est pas trop gênant. Par contre, il va quand même falloir essayer de stacker un peu des vies, hein, parce que c'est vrai que les boss, je sais pas trop ce que ça va donner, mais. Mais on va s'en sortir, voyons. On dépense un bon rendez-vous. Ce qui me blesse, c'est que de toutes les parties, j'ai jamais dépensé de vie. Et là, c'est quoi? Bah, t'en as dépensé une hier, et puis une ce matin. Attention à la plante. On se perd pas, monsieur GPS? Non, non. Ah, une plante. Oh fuck. C'était pas dedans quoi, c'est. Je la voyais pas. Vous prenez des pics, ça fait. Je la voyais pas.
plante. Aïe. Ah, il y a une plante. Plante, ouais. Surtout dans ce bon jeu, ils aiment bien en mettre. Hein. Et salut Nathan! Bienvenue sur le live de Swag et Jolan, avec Trandel. Salut Nathan! Même dans Reborn, il n'y a pas de temps calcul, même sur 400. Bah, il me semble que dans Sakura, il y en a par exemple. Et dans quasiment tous les Magical Girl au final. Je suis pas sûr qu'il y ait un tentacule dans Cardcaptor. Bah, tentacule, pas exactement, mais t'as toujours un truc un peu. Voilà quoi. Mmh. Bah, de toute façon, ils finissent toujours entre des lianes, hein. Enfin voilà quoi. Comment il s'appelait déjà le. C'est peut-être tentacule, mais c'est le truc quoi. Comment il s'appelait déjà l'animé qu'on avait regardé ensemble où on était dans un jeu vidéo ? Sword Art Online. Sword Art Online. Ah, Sword Art Online, voilà. Il y avait un épisode qui avait été fait juste pour ça. C'est-à-dire que dans le scénario, en fait, il servait à rien. L'épisode, il apprenait absolument rien de plus. On aurait très bien pu le retirer, c'était pas un souci. On escortait une petite jeune avec une jupe courte, mais de chez courte. Puis à un moment donné, il y a une plante avec des tentacules qui la prend, qui essaie de la bouffer, qui la fout à l'envers, petite culotte, et qui a plein de lianes qui font des tentacules. Il y a une plateforme là. Ouais, mais on ira plus tard parce que là en fait, c'est le pont qu'on a ouvert. On va d'abord clean de l'autre côté. Et donc c'était vraiment l'épisode par excellence qui est là pour te mettre ta femelle avec les tentacules. Mais il y en a même quoi, ils sont pas ecchi, je suis désolé, c'est ce que je vous dis, les Magical Girls c'est pas du ecchi quoi. Bon j'avoue celui qu'on avait regardé en cours il était un peu ecchi. Mais, oui. Mais en même temps l'épisode c'était, il y avait un... L'épisode avec les tentacules, c'est il y avait un voleur de petites culottes, tu vois. Et du coup, ils ont mis plein de petites culottes et de soutifs partout accrochés à des étendoirs. Et pour que le monstre se révèle, tu vois, qu'il allait chercher les petites culottes. Du coup, forcément, en plus, elles se battaient sans sous-vêtements parce qu'elles les avaient tous laissés. Quand j'étais gamin, je regardais aussi. Rien, c'était. Voilà, hein. Quand j'étais gamin, je me rappelle d'un animé que je regardais, c'était sur le club Dorothée. Et c'était Ranma 1/2, si vous connaissez. C'est très gentil, bon c'est un mec qui grosso modo se transforme en fille dès qu'on lui fout de l'eau froide sur la gueule. Et il y avait un grand... Putain c'est quoi ça ? Il y avait un grand-père en fait qui passait son temps à voler les petites culottes et les soutifs des filles. Dans le dessin animé, qui faisait que ça. Sa seule existence c'était ça. Et tu voyais courir avec, il était tout content. Quelle est la bonne combinaison ? Putain, y'a une flèche. Oui, y'a un meuble là. Tu dois faire attention. Dans ce genre là. Ah, ah. De toute manière, y'a un heal qui me met sa quéquette lumineuse dans le dos. Oh, c'est dégueulasse. Ah, ça fait mal! Je me suis fait empaler par la pyramide. Mais non. Ah, c'est la tapette. C'est quoi ça du coup? Ah, c'est à dire qu'on a peut-être refait monter une. Une pyramide. Ça dépend lesquels, et le fait qu'il y ait parfois des tentacules. Mais franchement, je veux dire, elles finissent tout. Enfin, je sais pas, c'est énorme d'être emprisonné. Attendez, on peut l'ouvrir ? Tiens, on a un œuf pour améliorer un truc. Ou on a pas de sous ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, est-ce que vous voulez faire des améliorations tout de suite ou pas ? Parce que quand on a des pièces, de ça permet de réduire les prix aussi. Hein. On va attendre. Surtout qu'il y a un steak et une grosse boule de mana. Faut essayer de faire des économies. Attention aux plantes. Je prends des risques hein, depuis que je sais qu'il y a un monsieur qui sont là. Ah, il y a un boss là. Parce que là, ils se sentent pas contents. Oula, ah oui. On les met sur le pont pour aller voir plus facilement. Ils seront pack. Allez, puis ça nous fait un petit combo en plus, ça c'est cool. Ouais, du coup, le combo du heal, est-ce qu'il est vraiment nécessaire vu qu'on a, on a le curé avec nous? Bah, ça peut vous servir. Ça nous sauvera plus tard. Parce que si je peux pas. Bah oui. J'ai plus de ménage, madame. Alors fais attention, s'il te plaît. Et bah, c'est mort. Attention au punk. Oh non, le punk! À mort, les punks! Oh, c'est vilain.
Je trouve qu'ils sont très gentils, hein. Faut pas juger sur la coiffure. Hein. En bref, comme nous dit Mephisto, les Japonais ont des fantasmes bizarres avec les tentacules. Ah mais pas qu'avec les tentacules. Elle est triste sans son. Oui, je suis triste dans mon paladin. Mais ça va parce que je me dis qu'il va y avoir des trucs rigolos avec ce personnage. J'aime bien le petit éventail là, comme ça là. C'est cool. Ah parce que là dans cette partie, on t'a pas juste en balançant des trucs. Ouais, on t'a pas imposé le voleur là, pour cette partie. C'est toi qui as décidé. C'est moi, je me suis fait du mal à moi-même. Mais j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Je trouve juste un peu triste, ça manque de berceau cac. Disons qu'en fait, le truc qui me manque le plus, c'est quand j'étais dans la merde avec mon paladin, bah, je faisais un dash et c'est bon, j'étais safe, tu vois. Alors que là, je suis dans la merde, mais j'y suis jusqu'au coup, quoi. J'y suis, j'y reste. À limite, je prendrai le compo beaucoup plus haut niveau, comme ça me sauvera peut-être la vie, ça pourra clean bien les mobs. Plante. Putain, je pensais que j'étais hors de la zone. Oula. Faut que t'arrêtes d'exhiber ton rayon lumineux quand même. On a compris qu'il était grand, mais voilà. C'est ce qui me fait le plus de dégâts, alors si tu veux que je dépaisse, bah, tu vas le voir souvent. Ah, j'ai un cafard dans le cul. Il y a une plante hein, là où t'es. Ok, tu l'as vu. Non mais ça va, je m'amuse un peu quand même avec le voleur. C'est juste que bah... Ah, juste un peu. Bah je prends toujours des trucs tanky, ça m'amuse. Tu sais, soit des grosses brutasses ou des trucs tanky. Et ça c'est ni l'un ni l'autre quoi. Peut-être que ça m'aurait plu le Warlock. Je testerai peut-être, tiens. Le problème c'est qu'il compterait pas les dégâts. Quoi? Il compterait pas les projectiles le Warlock. Ouais mais c'est pas grave. Je pensais que celui-là il le faisait pas non plus donc... Au pire, mais t'as décidé de le prendre parce que t'as réalisé en fait qu'il pouvait le contrer. On est en médium Nathan. Mais promis, on refera les games après en hard. Ouais, des maps perso, mais moi je t'avoue que ça me fait un peu chier de refaire deux fois le même truc. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. La première aventure après Trendel l'a jamais faite aussi, elle vaut le coup. Elle est vachement longue la première aventure. Il y a une grosse. Effectivement. Aïe, aïe, aïe. La petite est morte. Je snap lèvres ça. À moi les plantes. Vous avez touché le fond avec cette blague? Vous avez fait quelle blague? On a touché le fond avec cette blague 20-20. Play de Dallon. Ah d'ailleurs ça a eu un 20-20. Oui, salut Baba. Combo. Je suis désolé, je... Yo play de Danone. Ah, d'accord. C'est entre vous, d'accord. C'était pas du tout par rapport à ce que nous, on avait dit. Je vous étais nul. T'aimes bien le Warlock? Bah, je vais peut-être le tester, moi. Mais ce qui m'embête, effectivement, c'est qu'il paye tank pas. Mais après, il a tellement de PV, quoi. Ah, ok, c'est malade. Activer un interrupteur, ça dit quoi? Rien. Ça a rien écrit, mais je pense que ça a dû faire pop un truc. Ah bah genre ça, tu vois. Ouais. Genre, hop. Dans la bouffe. Ah c'est juste un raccourci. Ah mince. Ah ouais, là t'as pris un gros truc de vie alors. Bah ouais, mais genre j'en avais pas besoin. C'est moi, j'aurais dû regarder ma vie. Attends, là, on peut passer en dessous. Ouais. Tu es encore en vacances, Vincent? Bah tant mieux. Nous, je sais pas en fait. Qu'est-ce qu'on est? Et qu'est-ce que je suis? Bah nous on travaille là. Ah d'accord. C'est notre travail. On est condamné à faire des lives à partir de 10h. Oui, c'est ce que j'avais dit au début, on se croirait un peu sur Zelda avec toutes les armes. Et ciao Nathan, hein. Ciao, à ciao. La prochaine. Salut. Bonne journée à ceux qui bossent. Allez, on court. 11h, ouais, ça, allez, courage. Et n'oubliez pas votre téléphone portable, vous pouvez nous regarder avec votre téléphone portable, c'est important. Ah, oh, y'a une pièce là. Enfin, on n'a pas tous la chance d'avoir le wifi au... Nous, on avait le wifi, il me semble.
Est-ce qu'on avait le wifi dans nos salles Oui, mais ils ont désactivé au cours de l'année parce qu'il y en a qui en abusaient à part. Sérieux? Hein, un petit peu comme vous, hein? Non, j'ai... C'est quoi cette salle? Merci de me rappeler, j'avais un petit cappuccino. Oh, oui. Merci, William, de me rappeler. T'as vu la salle de fou, là? Pour le coup, le palouf aurait peut-être été intéressant pour contrer les boules de feu. Tu peux pas. Ah non, tu peux pas. Ah non, c'est, on peut pas. Si tu veux, c'est juste les petits projectiles, genre les flèches, les petites boules. Mais tu vois, les gros trucs là, je pouvais pas. Mais je te rappelle que j'ai exactement la même chose avec celui-là. C'est des zombies ou quoi? Ce sont des squelettes. Ah bah, c'est parfait pour le prêtre. Ah! Il y en avait un en quête contre moi. Putain, personne me l'a dit, je me fais crever bah, tout ça. Arrête, désolé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un squelette sur moi, mais je le voyais pas. Ah bah, je me fais attention. Je regarde mon propre perso, je t'avoue donc. Tiens, pour ces mobs, j'adorais mon paladin qui pouvait stun les... Il y a énormément de petites cachettes avec des sous, c'est cool. Je retourne ici en arrière pour vérifier que j'en ai pas l'oublié. Ok, donc ça c'est le pont qui nous ramène au milieu. T'es vacances jusqu'à lundi. T'en as de la chance. Oula, nous aussi on veut des vacances. Tu peux très bien mettre un coup de cravache en quittant le stream. Arrêtez monsieur. Y mettez. C'est les punks qui sont en général violents. Ouais, bah comme les verts quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, dès qu'ils ont une crête, tu sais pas pourquoi ils deviennent plus forts. C'est le pouvoir des cheveux, ça te met un buff. Un buff de fou. De quoi c'est quoi? Ah, il y a un totem. C'est des buffs. Ah, le devoir. Couché. Ah. Non, ça c'est un totem, tu veux, qui buff les ennemis. Ah oui, donc faut en s'en débarrasser. Attaque, là. Je pense. C'est vrai que je regrette pas, mine de rien, de plus être en cours pour ça. C'est vrai que les devoirs pendant les vacances... Les devoirs tout court, hein. Je suis un très mauvais exemple, et perso, enfin... De toute manière, en BTS, à part les TP informatiques, on nous demandait plus rien, quoi. De toute façon, ils pouvaient rien te demander en BTS, tu me faisais pas. The Arena. Oh okay. Oui, une arène. Tapez. Mais non, oh, mais ce sont des gentils. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais c'est une arène, donc t'as forcément des gens civilisés dans une arène. Ah, tu penses que tu atteins l'Alzheimer parce que tu te rappelles plus quand est-ce que notre test se termine? Eh bien, on nous a dit que grosso modo, un test sur la web TV durait environ un mois et demi. Après, ça dépend plus ou moins des streamers et de la manière dont ils s'engagent. Donc nous, pour le moment, ça n'a pas changé. Hein. Donc je pense qu'on aura peut-être qu'un résultat fin novembre, début décembre. Et on aura un micro. Mais on aura pas d'onglet hein, sur Level Done, on est sur la web TV nous en fait. On n'est pas sur Level Done. Level Done, Survivor. Ok, ça donne envie. Par contre, comment on fait? Je veux dire, si on y va, est-ce qu'on va mourir à tous les coups ou... Bah écoute, tout le monde avec un chemin, il mène par là. Ok, il y a une clé. Oh wow, c'est un boss. On est au boss. Oh my god. Oh mon dieu. Oh non. Je meurs. Le heal. Le heal. Désolé. Les mouches, ça fait mal aussi. Ah, il y a des mouches partout. Je me suis fait bouffer. On fait quoi? On tape quoi? Mais tu tapes la bouche. Tu vois pas qu'elle se déplace? Ah, faut taper la bouche, ouais. FLDP. Ok, t'es full vis, ouais. Attention, putain, il y en a partout sur moi. Faut regarder les ombres par terre, en fait. Oui, il y en a une qui arrive. Ah bah, je me suis fait croquer. Putain, mais elle se déplace trop vite en fait pour moi. Ah, je prends super cher aussi. Je me suis arrêté en fait pour en taper une. Je suis désolé, je peux pas m'arrêter. Et... Oui. Ah, en fait, faut courir et je mets deux flèches quoi, c'est tout. J'ai plus beaucoup de mana donc. Regarde bien les ronds, pas. Regardez les ronds au sol. Hein. Ouais, mais entre les tempêtes de sable et les ronds gris. Esquive. Bah. Ouais, bah non, écoutez, ça gaspille nos vies, faut... Je sais pas comment je vais faire. Hein. Moi, je m'arrête pas. Ouais, bah... Ça, faut pas t'arrêter, hein.
Dès que tu vois un qui t'arrive dessus, faut bouger. Hein. Ouais, mais quand on a trois dessus. Quand il y en a trois, ouais. Ouais, voilà quoi. Ah, mais je vais mourir. Il me reste un point de vie. Oh non, j'ai deux trucs qui ont. J'ai deux trucs de sable mouvant qui ont pop. On peut pas se barrer, je suppose. En fait, je crois que la deuxième aventure elle est juste beaucoup plus hard que la première. Je suis un peu dans la merde, moi. Bah, moi, là où je suis, ça va, ça pré-safe. Je suis en bas à bah, droite. Bah, disons que je me suis fait niquer parce qu'il y a des sables mouvants qu'on spawn. Ah oui. Et j'ai 6 PV quoi. J'ai 6 PV et. Faut que j'essaie d'aller leur tourner pour qu'ils te heal. Viens en bas à droite, c'est à peu près. À peu près safe. Non, je suis morte. Ah. Merde, putain, c'est vrai que je spawn. Ah bah. Oh putain. On a plus de vie. Bon, bah, je suis un peu blasé. Ça vous dirait qu'on fasse une map perso? Bah, quoi? Et que moi en vie? Non, je suis avec toi. J'essaye de taper les bouches, hein, mais. Je sais pas combien de points de vie elles ont, mais. Heureusement que j'ai mon bouclier de mana qui me sauve un petit peu. Oula, oulala, oula, oula. J'ai pas le temps de me taper les bouches, j'en ai trois là. C'est un peu faux. Et elles ont combien de points de vie? Vous avez réussi à en détruire à une? À gauche, regarde. T'as la barre de vie à gauche, ouais. Ah oui. C'est la moitié du boss. Non, mais je m'attendais pas à voir le boss tout de suite, tu vois, c'est. Oula, ou, pas s'arrêter. Bah, ce que le mec disait à l'entrée me faisait un petit peu peur en fait. Est-ce que vous allez réussir à survivre? Oula, il me reste 8 points de vie. Ouille. Je peux plus m'arrêter, il y en a plusieurs qui m'attaquent. Merde. Putain, je vise complètement à côté. Ouais, ah je non, peux non. Peut-être. Ah bah, je suis mort. Une tempête de sable qui m'a slow et je me suis fait croquer. Putain, je suis suivi par toutes maintenant, je fais comment en fait? Basiquement, je veux dire. On t'a dit de longer les murs. Ouais, mais sur les murs, il y a les mouches, et les mouches ça fait mal. Pourquoi longer les murs? Il y a rien à faire sur les murs. Non, mais quand t'es à proximité des murs, en général, ils rebondissent un petit peu et ça te sauve un peu les murs. Ça y est, salut Mousseline. Je veux dire, là, j'aimerais bien me mettre en posture pour Straf, mais. Ok. Pris les mouches. Et pris les mouches. Oh, ça sert à rien. Moi, je suis mort à cause des mouches, hein. Tu es par des mouches, franchement. Non, moi c'est les bouches qui me faisaient vraiment très mal. Bah, dès que tu comprends en fait que tu peux les esquiver, ça se passe vite. Bah, ouais, mais regarde combien j'en ai sur. Je m'arrête pas, je veux dire, elles me suivent toutes. Bah, je crois que plus. Moi, regarde, là j'ai bougé. Non, arrête. Non, c'est juste qu'on se répartissait les bouches quand on était trois. Et maintenant qu'elle est toute seule, bah, elle a toutes les bouches qu'elle a pensées, quoi. Je veux dire, je peux pas me retourner attaquer parce que il pourrait y en avoir une qui me chope. Et même sans m'arrêter, il y en a une qui me. Yamete. Ceci, dans ce moment, on va avoir des vies après. Si on a. Gagne, on a des vies après le boss. Hein. Bah regarde, tu vois. Tu vois, il a pop sous moi, tu veux que je fasse quoi? Putain. J'ai plus de mana, j'ai plus de vie, j'ai plus de. On croit en toi, Swack. Ouais, faut qu'il reste quand même un tiers de vie à. J'ai peur. Putain. Arrêtez de croire en moi, SGP, vous me foutez la pression. Ouais, non, mais. Survie, et si t'arrives pas, mais c'est pas grave. Bah, si t'arrives pas, on recommence. Ouais, mais on a marre de recommencer le jeu. Ah, je me dis qu'on pourra peut-être charger la partie si t'y arrives pas. T'es sérieux? Comment ça? Ouais. Bah, c'est pas un roguelike. Non. Donc, allez-vous faire? Attends, je vais voir. On peut peut-être recharger. Technique de non, cheater. Non, mais ça va pas marcher. Pourquoi pas? Si, elle est là, il y a la game. T'es sérieux? Il y a la sauvegarde? Ouais. Oh, alléluia. Alléluia.
Le checkpoint, ça sert à ça. Oh putain. Et c'est juste avant le boss. Ok, est-ce que tu peux réinviter? De combien? Je te jure, ça allait me saouler de recommencer, mais vraiment. Bon bah on le refait pas. Hein. Bah on va faire quoi alors? Bah on continue. Ah bah on l'a tout fait. Ah tu veux dire que c'est... on n'a pas le choix? Bah il y a peut-être des secrets à trouver, mais on peut aller chercher. On peut aller aussi acheter des choses pour être un peu plus puissant. Bah allons acheter des choses, non? Bah oui. Toi qui un... YOLO. On est en train de dire que ça se trouve il y aura peut-être des tentacules qui vont sortir des bouches après. Oh dégueulasse. Déjà que j'étais en mode diabète. Attendez. Il y a pas mal de trucs qui ont été écrits, donc le cappuccino à partir de là je peux lire à peu près. Je crois qu'il y en a un top. Regarde, là faudrait trouver un interrupteur vert. Ah non, je suis d'accord, on a dit tout ça. Excusez-moi, j'étais en train de lire le chat du coup. T'es sûr de ce que tu dis, voyez, par rapport au mur? Ah, attends, on a des œufs, on les met où? Il y a deux œufs. C'est important. Et le deuxième? Combo, attaque peut-être? Combo, je dirais, parce que attaque, combo. Perso, j'ai pas pu prendre moi perso. Ou alors à la limite pour les coups, ouais, pour les coups, pour acheter. Allez, c'est fait. Putain, je suis pauvre. Bon, de toute façon, moi je prends les dégâts des petits couteaux parce que ça augmente tout. Ça, c'est quoi? C'est la vie et tout? Ouais, elle spool, non. J'aurais besoin du combo. Ouais, mais non, mais le combo il sert à rien là-dessus. C'est ça qui est. C'est vraiment de la merde. Et ça, c'est quoi, style? Défense. L'armure. Ah, cool, j'ai pris de l'armure et de l'attaque. Ok, ouais, j'ai pris de l'armure et j'ai augmenté encore ma régène de vie. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est un grappin. Lol. Ça y est, elle va s'éclater. Je peux me grappe contre les murs. Oh. Et moi, j'ai augmenté la portée de mon rayon aussi. Oui. Je vais pouvoir me sauver, ça se trouve, de certaines attaques. J'ai un grappin. Il y a des... Bon, on part à la recherche de secrets. Genre ouvrir le pont vert. Ah, ça me coûte de la mana de le faire et que ça marche pas. T'as des endroits sans bouche et j'ai l'impression que les monstres n'allaient pas totalement jusqu'au bout du mur. Mais il faut s'assurer quand vous en êtes trois. Je sais pas, j'ai pas très envie de tenter. Surtout que c'était pas si difficile que ça à esquiver. Maintenant, on est trois. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es trompé de cheveux? Non, je regarde la map un petit peu, j'essaie de comprendre. Je cherche des secrets là. Là, autrement, c'est le boss. Hein. Tentez le boss maintenant qu'on a refait un peu le plein de. Personne n'a le droit de mourir. Ok, bah, si vous voulez. Je plaisante. Hein. Oh. Oh, mince, je voulais mourir. Ah oui. Moi, je suis morte. Si, je suis morte. Je suis morte. Eh. Oui, je suis en train de m'endormir devant les flèches. Bon bah du coup pendant que tu te promènes, moi j'ai cherché des secrets que j'aurais pu passer à côté. Bah ce qui me pose problème c'est ce pont vert là, je sais pas trop comment l'activer. Ah t'as peur que après on ait l'accès fermé, c'est pas faux, ouais, t'as raison. Cherchons l'accès au pont vert. N'oublie pas qu'il y a une sorte de ah bah il est là le bouton mais il est sous l'eau. Le point est sous l'eau en fait. Le bouton de déverrouillage du pont vert. Ok, donc faut trouver un moyen d'aller dans la flotte. C'est ça, il est là le bouton. Bah la station de pompage, mais on comprend pas comment l'activer. Trouver le levier. Bah ouais, le levier. En fait, il y a plein de trésors effectivement. Dans l'eau. Dans l'eau. Et je pense que c'est maintenant parce qu'à chaque fois qu'on a fait un boss dans la première aventure, on pouvait plus accéder après au niveau. Ouais, donc faut qu'on trouve le levier. Après, il y a deux étages aussi, hein, au-dessus de nous. What? Ici la voix, je vous souhaite la bienvenue dans la grotte des secrets. Comme son nom l'indique, cette grotte est remplie de secrets à découvrir. Ouais, mais je trouve aucun secret, moi.
Donc je vais revenir vers vous, parce que je suis en train de longer les murs et de regarder, mais il n'y a rien. Parce que là-bas, tu te rappelles, il y a le gros piège avec les boules de feu aussi. Oui. Ça avait l'air très rigolo. T'es à droite, je suppose. Ouais, je te vois. Ouais. Ah, je suppose bien pour une fois. On y arrive par un escalier. Voir l'escalier. Faut peut-être aller au niveau au-dessus, hein, parce que j'ai l'impression que tous les secrets passent par un escalier, de ce que j'en ai vu. Ok. Le niveau au-dessus, c'est celui d'avant, du coup, vu que c'est l'inverse, là. Non ? Ouais. Aïe, 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 aïe. Tu me vois jeter mon grappin comme une grosse débile ? Oui, oui. Ouais, je trouve ça marrant, ouais. Le point fort de nos vidéos de notre chaîne YouTube, c'est qu'on les a classés en playlist. Bah écoute, tant mieux, c'est vrai que le but c'était que les gens puissent s'y retrouver parce que trop souvent j'avais l'impression, moi sur les chaînes YouTube, que dès l'instant où la vidéo commençait à être ensevelie sous d'autres vidéos, on pouvait plus la retrouver. Et donc c'était un peu la merde. Les portes elles sont où? Ah, nous on te suivait, on te faisait confiance et tout. Tu nous as un peu trahi là. Alors que le système de playlist qu'on a voulu mettre un peu en avance, c'était effectivement censé... J'avais envie d'utiliser mon grappin comme une grosse débilou, mais il y avait pas de mur en fait. Ouais, faut pas me couper la parole, c'est pas bien. C'était censé faciliter justement les choses, donc si ça marche, tant mieux. Je cherche la porte. Hein. Oui, oui. Tiens, je demande au cas où, je vais bientôt me lancer dans des tutos Photoshop. Faut enfin nous créer une identité visuelle parce que c'est un peu dégueulasse, les écrans de pause, tout ça, même les images et tout. C'est tout en bas. Et je demandais au cas où si l'un de vous a l'habitude d'utiliser Photoshop, et si vous êtes passé par cette étape-là d'apprentissage, si jamais vous avez des trucs à me conseiller, je sais pas, des chaînes YouTube qui permettent d'apprendre, ou des tutos, enfin voilà. Juste comme ça, au cas où. Ouais. Alors je regardais la flèche, c'est vraiment tous les... Je trouve il y a plein de secrets, mais ça passe par des... Ça met une par des escaliers. Ça. Ça ramène au niveau dessus. J'ai pas souvenir qu'on a vu des escaliers ici. Bah ouais, moi c'est pour ça. Fin... Bah si tu vois plein de youtubeurs où ils classent pas leurs vidéos, bah voilà, raison de plus pour s'abonner à notre chaîne et dire aux gens de venir sur notre chaîne. Comme ça, ils peuvent tout retrouver. T'es marrant. Oh, je peux pas grappiner. Bon, viens foutre ton bâton dans le levier à pompe, là. Mais non, je te dis que mon bâton, il sert pas à ça. Peut-être qu'on devra... Je pense qu'on retournera, de toute manière. Parce qu'on a des TP cette fois-ci. On n'est pas irrémédiablement... Ah oui, c'est vrai qu'on a des TP. Donc, a priori, il faut quelque chose, donc... Et on l'a pas. Peut-être que c'est le boss qui nous le donne, le jeu. Enfin, je pense qu'on peut se barrer, parce qu'on pourra revenir comme on veut. Bah ok. Vous venez au portail, ça sera plus rapide de passer par le portail. Oui, maître. Pareil. Un petit peu loin. Oh, c'est chiant. C'est chiant, les gens qui font pas de playlist. J'ai un peu du mal à comprendre. Ça, je comprends pas que les playlists soient classées du plus récent. Attends. Ah bah non, bah si, c'est ce qu'on fait, non? Non, non, on est classé du plus ancien à la plus récente. Bon, on les ajoute au fur et à mesure. Attends, on a les vidéos dans l'ordre où elles ont été faites. Baston! On va au boss. On y va avec Sylvie, on en ressort avec Sylvie. Mais c'est toi qui as la potion, tu triches. Je peux mourir. Toi, t'aurais pas pu utiliser la potion, toi, là, tout à l'heure? Oui, je suis en train de me faire la même chose. Mais je l'ai utilisé? Ou pas? Je pense que tu l'as pas utilisé. Ah! Pardon, je suis désolé. Ce soir, je vais sans doute... Enfin, ce soir, ce sera 20h, 22h, c'est ça?
Ouais. Il y a des chances pour que je stream toute seule. Donc je suis en train de me faire pipi dessus. Parce que, comment dire, je me sens pas très à l'aise pour animer toute seule. Enfin, je sais pas comment dire. Oh, mais les viewers seront là avec toi et ils seront gentils. Et je commencerai une nouvelle partie de Darkest Dungeon. Donc voilà. C'était juste pour dire ça. Oh, regardez une clé là-bas. Oh. Ah. Bon, moi je prends l'eau. Bon, pensez à bouger, hein. Si vous avez trop de bouches qui vous courent dessus, vous vous arrêtez pas et on donne un coup de temps en temps. On la joue safe. Ah mince, je t'ai soigné. Non, 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 viens pas chez moi, toi. Oui, non, non. Où est le prêtre? Il va me falloir un peu de heal parce que j'ai plein de mouches sur la gueule en même temps. Comment tu fais pour attirer les mouches, toi? Attention, par toi. Ah, je suis bien. Heureusement que je peux te soigner en marchant. Ouais. Ah bah non, mais... pas toi. Ah, j'ai repris des mouches. Putain, le tourbillon. Oh la vache, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Je retourne vers le curé. Ah ouais, bah le curé il est un peu en PLS là. Ah, mouche et tourbillon. Ouais, viens pas vers moi toi. N'oublie pas que tu peux straffer, hein. Où est le curé? Eh ben il est toujours au même endroit, il tourne en bas à droite. D'accord. Il s'arrête pas le curé. Enfin, il s'arrête juste pour taser les ennemis. Ah non, non, non. Oh. C'est de la mana pour le heal. Putain. Pardon, excusez-moi. Putain, les mouches. Mais va pas dans les mouches aussi. Pourquoi j'ai toutes les mouches sur moi là? Ah ouais, là je lui fallait. Trop. S'il te plaît, enfin. Mais je fais ce que je peux, je me suis pas, arrête, allez. Je déteste ça. Quand t'as trois tourbillons qui te spawnent autour, quoi. Eh ouais, c'est... Merde, c'est pas ça que je vais faire. Bon, les mouches m'ont crevé. Mais il va pas sur les mouches. Oh putain. Ah non, non, non. Ah non. Oh putain. Aïe 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 aïe. Il. Ah non. Lion. Aïe 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 aïe. Ah je vais peut-être crever. Ah ouais. S'il vous plaît, venez pas là où je suis. Parce que j'arrive à me débrouiller pour quand même affaiblir. Tourbillon de merde, Kassos. Putain, mais quand t'es pris dans un tourbillon, c'est tellement la mort pour en sortir. Bah, t'as quelques secondes, enfin, t'as une ou deux secondes quand même pour essayer de bouger un petit peu avant d'être vraiment slow. Non, 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 barrez-vous. Yamete. Yamete, bouge, senpai. Non. Ah, je suis mourir. Oh, c'est pas possible. Oh, je suis timide, bouge, senpai. Mais je déconne. Crève. Pourquoi je suis stuck dans une position? Ah, ma touche espace qui est bloquée. Je l'aime. C'est pratique le strafe. Hein. Oui, j'ai plus de vie. Oui, oui, bah. J'essaye de... Oh. Ah. Ah non. J'ai eu de la chance qu'il m'ignore. Voilà. Tourbillon. J'étais obligé de prendre des mouches, j'ai crevé. Ah non, mais. J'ai plus de mana. Oh, c'est possible de l'enfer. Boules, ça. Je suis encore mort. Ah, que je crève. J'ai. Bon. Mais t'imagines les prochains boss? Celui-là, il est horrible. Putain, je gérais depuis le début et là, je fais que de faire de la merde. J'en ai tué un. Il y a un morceau de viande en plus. Steak en haut, c'est pour ce qu'on en régène. Tu meurs. Ouais, je vais le prendre alors.
Vas-y, vas-y. Il y a plus de vie. Oui, mais en fait. Il y a un c'est un piège, ton steak, qui en plus jamais. Putain, t'es sérieux? Ton steak, c'était trop de la merde. Mais j'ai quand t'es arrivé, il y a un tourbillon qui arrive. J'ai tué une deuxième bouffe. Ah, mais t'es déjà la dernière vie en fait. Ah, oui, bah moi je suis mort, désolé. Je pourrais pas décider de respawn. Ou pas. Vraiment, j'aurais laissé ma vie à seul. Il y a moins de bouffe déjà. Il faudrait essayer de focus en fait la même bouche pour que ça soit moins galère. Tu sais qu'il y a moins de tourbillol aussi. Voilà. Pourquoi ils reprennent la vie par contre? Ah, mais peut-être que chaque vie, chaque bouche a de la vie et du coup on voit la vie de la dernière qu'on a tapé. Ah, peut-être qu'on aurait dû focus sur la même bouche. Non, je pense pas que c'est la vie de la dernière qu'on a tapé, c'est la vie générale de toutes les bouches. Bah, non. Parce qu'il ne reste plus qu'une là. Ouais, mais celle-là par exemple elle était full life, celle-là, et la bas life, donc en moyenne ça faisait baisser, et voilà, et l'autre je pense qu'elle est complètement full life. On l'a jamais tapé. Ah, c'est quand même plus simple. Putain, bah ça me blase d'être mort tout à la fin quoi, je tenais bon et. Bah, puis le truc c'est que vous voyez en bougeant, c'est un peu de tendax quoi. Quand même, tu dois pas garder ton rayon pour soigner et pas. Bah, je fais masse de dégâts avec mon rayon en fait. Je fais 25 de points de vie par 25 de points de vie. Bah, moi je fais une flèche, ça me met 27 aussi. Ouais, mais au coup blanc, je fais 13 points de vie, tu vois. Bah, fais pas des coups blancs et contre le boss, c'est vraiment de heal. Tu utilises la mana pour comme boubou pour survivre et tu nous heal quand on a besoin. Bon, alors si on a des vies, sinon on reset. Connard. T'as eu le succès ou pas, c'est vrai? Ouais. Oui. Heal, c'est possible? Ah oui, ça c'est bon, ça j'aime ça. Merci. Ah, Mephisto nous confirme que nos vidéos sont mieux classées dans la playlist. Alors, et comment on reste swag du coup? Pour ça qu'on peut pas mettre à jour. Faut prendre des vies. Pourquoi tu meurs là? T'as fait quoi encore? T'as pris des mouches. Des mouches. Tu prends des mouches alors qu'il y a plus rien. Il y avait des vies juste après le boss. Ouais, il doit y en avoir peut-être une ou deux. Ça va traîner. Non, mais j'avais vu des vies là de ce côté. Ce qui m'énervait avec ce boss en fait, c'est que il y a de la chance qui entre en compte. Enfin, je sais pas comment dire. Franchement, les tourbillols pouvaient très bien te spawn dessus. Tu pouvais rien faire quoi. Mmh. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'agace. Si t'arrivais à se rafler le long des murs. C'était à peu près safe pour pas prendre trop de problèmes. Pour les tourbillons. Ouais, mais il y avait des mouches quoi. Ouais, mais moi là où j'étais, tu vois, enfin, je tournais autour du même carré depuis le début de la partie et je m'en sortais à peu près bien. D'accord. Tu essayes de tourner un peu autour du même carré et ça passait bon. Trandel doit faire la part. Soit que Trandel doit faire la part, t'es jeune, tuer les ennemis. Il fait la part, Trandel fait la part, non, j'avais pas vu la correction. Enfin, je peux pas tanker, je peux me faire toucher 2-3 fois, mais après. Mais du coup, il y a un. C'est pourquoi? Alors, attendez, je pose une question avant qu'on utilise un checkpoint. Est-ce que on essaie de recharger parce qu'on a cramé toutes nos vies? On essaie de refaire le boss ou pas? Pour essayer d'avoir des vies en stock. Si tu veux, mais ouais, pourquoi pas. On va essayer. Ouais. On peut pas faire pire que là en fait. Oui. Est-ce qu'on avait repris un checkpoint on verra bien selon les sous là. Bah, on quitte du coup. Ouais. Désolé hein, mais bon, on va essayer de faire ça un peu plus proprement. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que je dois tourner en rond dans un coin, ça ouais. Bah, au pire, on applique la technique de Mephisto là. Je fais la pas, vous courez derrière moi à une certaine distance histoire que la bouche ait le temps de spawn. Et que vous puissiez l'attaquer. C'est en fait. Bon, on n'a pas beaucoup de sous, c'est à dire qu'on a dû acheter. J'achèterai une potion en fait, je pense, non? Vous voulez qu'on achète. Tout le monde achète une potion avant? Bon, non, c'est bon, on va faire ça. Faut juste que. Trandel, toi tu bouges bien en fait. T'es. Tu heal et t'as le bout pour survivre. C'est vrai que t'as pas beaucoup de vie autrement donc.
t'as ce que je veux faire. Combattez, on va y arriver. Tourne autour de ce rocher là. Moi, je vais prendre en bas. Oh, j'ai tout qui me bouge dans la gueule. Ouais, mais non, c'est de la grosse merde en fait. Ah là. Ouais, mon ton rocher il a pas cette place, on va recommencer. C'est limite si on peut pas reset quoi, c'est. En fait, ton rocher c'est beaucoup trop serré. Je préfère moi l'espace où il y a beaucoup de place. Bah, je vais me balader, je vais chercher un endroit où je peux aller moi. Enfin, soit vous prenez un lieu qui a de l'espace ou autour d'un rocher. Oui, effectivement, tu t'es gouré. Ah oui, bah autant pour moi. Mes excuses, Waya, le grand créateur de la technique du sacrifice de Trandelle. Sacrifions Trandelle, le petit Trandelle. Mais moi, je sais pas où est-ce que je vais tourner en fait. Je vais garder. Je vais faire un tour de salle. Hein. Putain, j'ai toutes les bouches sur la gueule tout de suite. Oh. Oulala. Aïe! Attention. J'arrive vers le hill. Ouais, putain, t'as pris des mouches. Parce qu'il y a soit qui est en PLS. Ah putain! Ouais, en fait, ouais, je viens de me prendre une bouche dans la gueule parce que je courais derrière ton derrière. Ah bah, je suis mort. Bon, on recommence? Faut qu'on. Je sais pas. Soit on joue sur des grandes zones. Soit on. Je sais pas. On a pris un checkpoint après pour sauvegarder au cas où? Ou ça risquait d'écraser. Bah, pour si jamais ça nous saoule de faire des tentatives sur le boss et qu'on n'arrive pas à faire mieux. Non. Ok. Bah, on fera au moins aussi pire, puis voilà. Perso, là j'y arrive plus à rien. Bah, c'est peut-être parce que j'essaie de coller les murs aussi, mais. Je pense qu'il faut essayer de rester séparé, que Trandelle meurt moins, parce que t'es mort beaucoup de fois sur le boss en fait. Et c'est vraiment. On vient de voir qu'on a besoin de vie. Il utilise ton boubou. T'es full mana, tu crames un petit peu, ça y'a pas de soucis, mais vraiment. Bah, le truc, c'est que le boubou de mana me fait consommer beaucoup de mana en fait quand je prends un coup. Bah, mais ça te sauve. Ça t'empêche de mourir. Oui, c'est normal parce qu'il absorbe 30 de dégâts d'un coup en fait. Ouais. Il permet de nous heal après donc. Moi je reste. On devrait pas explorer un peu la salle. Moi perso, je vais peut-être essayer de longer ici. Bon, par contre, j'ai 3 bouches qui me suivent donc c'est mort pour que je tape, mais. Quand t'as trop de bouche, t'attends. Moi j'en ai qu'une. What? Pourquoi il court plus vite que moi là? Mais ça c'est mon caillou. Putain. Les mouches. Ouais, je sais. En fait, faut pas longer les cailloux sur les cailloux, t'as les mouches, hein, c'est la même. Bah, mais y'a pas de cailloux, y'a pas de mouches. C'est pour ça qu'il faut pas longer les cailloux. Bah, mais les tourbillons, c'est trop. Là, y'a une bouche qui me suit, je suis morte. Ou alors on sait où spawn exactement les. Et à toi. Allez, tu vas y laisser une wheel, c'est parfait. Merci. En fait, c'est ça la technique. Hein. Trandelle tourne de son côté, on l'emmerde pas pour qu'il survive et on va le voir qu'on a besoin de ville. Ça me paraît pas dégueulasse. Hein. J'ai toutes les bouches sur la gueule. Oh, je suis là, je bouge pas là. Je suis bien à un tour vilol. J'ai tout sur la gueule. Non, mais je veux dire, même sur le ras du mur, ça peut spawn hein, le tour vilol. Hein. Voilà, j'ai 3 bouches. Tu veux. Ok, ça c'est magique. J'ai plus. Ah non. Ah, je suis tellement mort. Quoi. Non mais. Non, je vais pas faire ça. Purée, je peux me grapper au. Oh. Je peux me grapper aux bouches. Ça compte comme un mur. C'est arrivé. Ouais, c'est quasi. Les bouches. On s'en sent pas trop mal là tout de suite, hein, mine de rien. Oh, y'a une bouche sur moi. Aïe. Aïe.
pardon, excusez-moi. On a une bouche en moins déjà, c'est censé. Ça va être un petit peu. Par contre, bah, pète un câble. Non. Allez, ouvre-toi, petite bouche. Tu as un bisou. Allez, mouche, bon sang, fichez-moi la paix. Là, je vais pas m'arrêter pendant quelques temps. Excuse-moi. J'ai plus de vie. Là là. Non, je vais mourir. Je suis mort. Pris dans un tourbillon. Ah, bah là, t'es. Pardon, je vais pas m'arrêter. J'ai les 4 sur moi. Hey, je vais essayer d'aller chercher ça. Ne colle pas les murs, tu vas te prendre des mouches. J'arrive. Je suis sec. Allez, t'arrêtes pas. Ouais. Attention à toi. Ouais. Merci. Et je pense que technique, tout savoir au moins une popo, ça sauve une vie. Alors, Solène. J'ai pas beaucoup de manager, mais je peux te soigner un petit peu si tu veux. J'ai un abord si j'ai besoin. J'ai une popo en plus donc. Ok. Je me prends une bouche, j'utilise la popo là. Oula. Putain. Café. Voilà. Café bouche. Oulala, là là, dans les trois. Arrêtez de nous suivre, bande de coquinettes. De toute façon, tu longes les murs là. Ça se gère mieux, ça se gère mieux. Allez, continue bah comme déjà, ça. Il y a deux bouches en moins, donc c'est déjà plus. Aïe. C'est déjà. Et plus loin de mourir là maintenant. Il y a un endroit où j'en ai tué une, il n'y a pas de tourbillon là-bas. C'est-à-dire, je suis là-bas en train d'attendre qu'une bougie vienne me voir. Ah là, j'attends qu'une bougie vienne me voir. Parce que là. Ah, purée. Bordel, il n'y avait pas de tourbillon depuis le début. Ah, allez, une en moins. Qui kill? Je peux pas, fais plus de bada. Oh t'as putain, 3 points de vie. Attends, je te suis. Et allez, reviens toi, petite. Vas-y, mets-la moi, j'en ai besoin. Je la veux pour une fois. Allez, vas-y, continue. Ah non. Ah, c'est pas bon, sors de là. Aïe. Oh putain, faut que je me barre. Petite bouche. C'est bon. Petite bouche. Dis-moi. Oui, bah. J'en ai besoin. Petite bouche. Il y a des mouches là, c'est pas bon. Voilà, t'es mid-life quasiment. Allez, j'arrive. Voilà. Y'en a plus qu'une? Ouais, je crois, ouais. Alors fais gaffe, celui qui meurt, alors là c'est la honte. Hein. Bah, je régène ma mana, hein. Essaye d'être. C'est ça, il dit d'avoir fait un boubou. Histoire et tu de. Comme ça, si on a vraiment besoin. Merde, je tire à côté. Ouais, c'est la dernière. Oula. Attention, service de secours pour soi. Merci. Fais là. Gaffe, t'as plus de mana. Ouh. Ah. Yeah. On est disait 3 vies de moins, non? 2 vies, on en a. On était à 5. Ah putain, j'ai eu peur. Attention aux mouches, hein. Ça fait toujours mal. Mmh. On aime bien les trucs. Bon, du coup, est-ce qu'on nous dit GG là? Parce que là, faut, voilà, c'est. Voilà. Ah, bah, y'a un sous-sol là. On va dans les niveaux en dessous, mais faut revenir un peu en arrière avant. Bah, allez-y. C'était bien hard quand même, hein. C'est, en fait, on nous demandait là-dedans. Tout le fight, moi. Dans le chat, on nous disait ouais, mais faut prendre l'aggro. Mais en fait, c'est compliqué de prendre l'aggro. On décide pas de prendre l'aggro. C'est. Ouais, l'aggro est un paillade. Oh oui, 5 vies. On est un peu mieux là. Ouais. Ouais. C'était l'objectif. Et du coup, il a pas un truc à nous donner en récompense là? Allez. Non, par contre, je vais prendre le checkpoint juste après. Tu sais que ça, c'est. On va retourner en plein milieu. Oui, là, on retourne dans le. On retourne dans en plein l'arène. Milieu de l'arène. Ah là. Oui, c'est l'arène là. Bah on va prendre la porte, on va espérer que ça serve de checkpoint. Voilà. Ah oh. Hi. Je sais pas si c'est la sauvegarde, je sais pas. Bah ouais, ça m'a dès qu'on verra un checkpoint. Mais maintenant qu'on a tué le boss, enfin je sais pas si ils vont. On nous dit GG. Merci. Merci. Ah on a trouvé la technique hein.
Voilà. Moi je reste dans mon coin. Il est 11h. Il est 11h donc c'est parfait, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter au bon moment pour faire une petite pause et se retrouver juste après pour la suite de l'aventure. Donc à tout de suite, on se retrouve dans 3 minutes 30. Allez, à tout de suite. Voilà. On est de retour pour la suite de Hammer Watch après avoir tombé ce boss, mais vraiment comme des pros. Attends, moi je suis pas morte. Par rapport au premier try, là on a été dépêchés, hein. Et bah on va continuer tout ça. Tout cassé. Pioup, pioup, pioup. Y'a des broussailles. Ils sont bizarres, c'est pour mon peur. C'est tout? Ok. Ok. Oh, ça existe pas le farm. Bah, bonjour Knacky. Ouais, bonjour Knacky. Pourquoi la bille on peut pas la prendre là? Parce que c'est une grosse boule de mana. Ah, c'est de la mana. C'est comme les steaks. Putain, mais c'est quoi? C'est des grosses pommes. Non, les trucs comme ça qui demandent d'être coordonnés et de bouger à un certain moment, je sais pas, j'ai vraiment du mal. Je sais pas pour vous. C'est pas difficile, mais Non, mais encore une fois, après, il y a aussi des gens qui nous regardent, qui sont juste en train de nous regarder, en fait, hein, qui parlent pas forcément. Hein. Moi, le premier, c'est... Je suis typiquement comme ça, hein. Je regarde des streams et je parle pas. Hein. Je suis personnellement vraiment comme ça. Même les sondages, par exemple, enfin, je sais pas comment dire. J'aime bien vraiment rester silencieuse et invisible, moi, dans un stream. Et hier, quand on a lancé un sondage, on a vu plein de personnes qui parlaient pas, qui d'un seul coup ont spawné pour le sondage. Mais tu vois, même moi j'aurais même pas spawn pour le sondage. Ah, des bombes cachées. Ah, ouais, c'est dans les conteneurs, c'est court. Elle est bizarre cette petite salle, il y a un truc qui se met. Ah, t'es souhait. Souhait. Ah, bah, GG Mostarax pour le point final de ton DM de maths. Ah, on est en train de perdre Swag. Elle est en train de décéder du nez. Ah ouais, mais c'est horrible en ce moment, il fait tellement froid. Décéder froid. J'ai Mostarax. Un buff de défense là. On a pas besoin de défense. C'est... Voyons. Plus un d'armure. Ah bah moi, que c'est pas mal ça. Hein. Plus un d'armure, ça veut dire qu'on prend. Enfin, chez eux, ça veut dire qu'on prend moins un dégât. Ouais. Je crois. Cool. Moi je dis oui. Je dis oui. Par contre, j'ai l'impression que certaines choses sont incompressibles. Genre le poison, il fera toujours un dégât quoi. Recopier un truc d'anglais. Tiens, je à un moment, on avait parlé des langues et tout. Et je sais pas comment dire. Moi, parler des langues, c'est vraiment. Je sais pas comment dire. Presque une vocation dans la vie. Alors que pourtant, quand j'allais à l'école, je trouvais vraiment que c'était de la grosse merde et ça me donnait pas du tout envie d'étudier ça. Ah, parfois la technique. Ils sont un peu chelous quand même les niveaux qu'on passe là. Parfois la technique d'enseignement est quand même un peu foireuse aussi. Voilà, ce que je voulais dire c'est que, alors que j'adore ça, que vraiment je pense que. Y'a plus le piège! Trandel, tu vois une grosse boule contre le mur! Ah bah désolé, le temps que je fasse demi-tour c'est. Je pouvais pas, j'avais pas le temps de faire demi-tour. Putain, on perd une vie mais. Est-ce qu'on peut recharger ça? On tente de recharger ça? Parce que là c'est une vie franchement. Vas-y. Ça pique là quand même. Je suis désolé. Je sais pas, t'as jamais regardé Indiana Jones? Tu vois une boule, tu te dis voilà comme. Le temps que je réagisse qu'il y avait la boule, non, je pouvais pas. Enfin, ce que je veux dire c'est que j'ai vraiment une vocation pour parler, pour l'anglais. Pour l'étude de l'anglais, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et à l'école, ça m'a juste pas. Enfin, jamais donné envie. Voilà. Donc là, il y a une boule. Oui, hein, oui. Dans Indiana Jones, les boules, c'est dangereux. Voilà, t'as vu le mec, il a fait il s'est fait écraser comme une merde. Une défense. Alors, une faut pas rester non plus à côté des bombes. Et à Mana. Oh bon sang. Il y a deux passages, ok, il y en a un qui descend et un qui monte. Ah, vous voulez pas faire celui qui monte d'abord? Oh, ça fait vraiment un labyrinthe. Mais allez, qu'est-ce que vous avez avec les bombes là? Moi, je me prends pas les boules. Oui. Et donc là, on était dans les caves et on a trouvé le chemin pour aller dans la. Voilà, il y a des momies. C'est cute. Tu
t'es enfermé, petit bâtard? C'est un spawn ammoni. Ah, des... bâtard. Et... ouais, c'est-à-dire que ce sont des spawns. The rest in place where possessed. Ah d'accord, ok. Donc les gardes et les prêtres ont été transformés en momies, super. Ah, faites gaffe, il y a plein de boules, je viens d'activer encore. Alors, un... il a dit merci de m'avoir sauvé, je voulais pas ouvrir tant qu'il y avait pas de gens pour me sauver. Oh putain, mais non, mais c'est beaucoup trop. Il dit qu'il y a d'autres personnes comme lui qui se sont cachées, sauf que eux, ils ont été zombifiés en gros. Et il dit, ah là là, vous voulez accéder, et bah c'est dommage parce qu'il y avait des miroirs qui servaient à donner l'accès, et il faut les retrouver, voilà. J'ai quasiment rien compris de ce qu'il disait, mais parmi des petites choses que j'ai compris, il parlait de miroirs pour accéder, genre ça, j'imagine. Je suis empoisonné là, je sais pas pourquoi, mais... t'as resté immobile pendant 2 secondes, ça a suffi aux mobs pour te... Ils empoisonnent. Bah en même temps c'est des zombies donc ça paraît très logique qu'ils balancent des dégâts après. Ah c'est bon. T'as plus de mana. Ça ressemble trop à un interrupteur ce mur là. Oui, j'ai vu ça la première fois, je fais oh un gros interrupteur. Bah l'espagnol, j'ai un peu du mal avec le fait d'apprendre une langue. Avant d'être clean dans une, je sais pas comment dire. Je me vois pas me lancer sérieusement dans l'apprentissage d'une autre langue alors que maintenant peut-être. Mais quand j'étais à l'école, c'était quoi? C'est en 4e qu'on commence l'espagnol. Je trouve ça un peu tôt quoi. On peut rien faire. Alors activer les passages après. Ça évite de se paumer. Et encore maintenant, tu commences l'espagnol beaucoup plus tôt, je crois. Sérieux? Ouais, je crois que c'est 6e ou CM2. Ah bon, quoi? Ah oui, ça devient de plus en plus tôt les langues. Oh là là. Enfin... Bah, l'anglais, oui, je comprends, mais l'espagnol. On arrive déjà pas à maîtriser le français. Non, mais apparemment, plus on commence tôt et plus on est doué pour les langues. Donc, ça, apparemment, c'est vrai. Dans le système éducatif, maintenant, ils veulent vraiment nous faire commencer de plus en plus tôt les langues. Comment dire, notre cerveau est vraiment très bon pour apprendre des langues tôt. Mm. En fait, avec ton rayon là, tu me fais peur. Pourquoi? J'ai la Silver K. Ah, tu peux pas te rap passer de l'autre côté? Non, mais ça aurait pu être marrant. Bah oui, c'est vrai que ça paraît très presque logique. T'as la clé? Ouais. Okay. On avait une porte de grise. L'italien. Moi, c'est très bien l'italien pour Dorier. Ce que j'aurais bien aimé apprendre, ça aurait été une langue asiatique pour vraiment changer complètement. Après, je me dis que ça doit être. Enfin, changer complètement, j'ai aucune idée comment sont formées les langues asiatiques. Mais j'aurais bien aimé. Aïe. Quand je dis asiatique, c'est peu importe. Hein. Je suis plutôt chinois ou vietnamien, je pense. Japonais. Japonais, non, les mecs ils sont enfermés sur leur île, je vois pas l'intérêt d'apprendre leur langue. Enfin, je sais pas comment dire. C'est quand même la 2e économie mondiale, donc y a du business à faire là-bas. Ouais, mais autant le chinois, je veux dire. La 2e économie mondiale. Ouais, mais t'as énormément de contrats à négocier avec la Chine, tu vois. J'aurais pu être interprète, tu vois. Ils auraient été grave contents d'avoir quelqu'un qui les comprenne. D'accord, on trouve des miroirs, donc on va les poser contre les sols murs, truc, poète. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie d'aller dedans. Non, non, ça fait mal à mon avis. C'est bon. T'as testé? Non, mais ça a tout OS. T'es sûr? Ah, ça a rien. Ah mince, j'ai passé un miroir. Ça crame ma mana. D'accord. Arrête de capter les miroirs, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas possible. Ouais. Désolé, j'ai pas fait exprès. Il s'est placé. Ah ben, mais il est chiant, on lui demande rien, il nous vend des trucs, tout le bordel. Mais... Tu peux pas les changer de sens? Ah non. Non. Aïe, ça fait mal. Ça fait super mal. Quelle idée de passer devant. Enfin, c'est du rayon solaire en même temps. Hein. C'est comme si t'avais. Je sais quoi, une... je pose un miroir ou. Je crois qu'il faut que ça va cramer la pierre. Bah ouais, mais ça sert à rien là. Vas-y. Bah si. Si, ça va détruire le rocher. What? Et on traverse comment maintenant? Tu te démerdes. Attendez, faut que j'aille me moucher, je suis en train de crever du nez aussi là tout de suite. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il fait froid dans l'appart. Putain, il y en a un qui a une perruque. Et il fait mal. C'est monsieur Punk. Non, il a juste une perruque lui, c'est pas Punk. C'est plus une nana. Ouais, attendez, faut que je vous laisse. Tu décèdes.
Tu veux un mouchoir? Oh, t'es chiant. Il décède. J'ai froid d'ailleurs. Regardez un checkpoint. Un checkpoint. Wouhou! Ah! Ça t'a volé de la mana avait... en fait, non? Oui, oui, ça m'a volé de la mana. Donc d'accord, c'est pas grave. Donc en fait, j'en avais plus. Vole de la mana. Les violettes, mais bon. Tout ce qui est violet, boum, la mana apparemment. Oh, ouais, bah. T'es mignon toi. Excuse-moi, je devais mettre la main devant la webcam. Ouais, mais je suis mort! Non! Comment t'as fait ton compte? Oh non, putain, et je respawn ici. Il y avait un gros mob et j'ai un peu trop slack. Tu m'as déconcentré, c'est de ta faute. Et putain, mais t'as misé, je peux. Mais comment vous faites? C'est juste des mobs ou vous êtes en train de crever sérieusement? Mais ça. Mais tu m'as complètement déconcentré, j'ai laissé Trandel tout seul. Tu pouvais attendre deux secondes et pas nous perdre de vie bêtement. Sinon, on vient de passer sur un checkpoint donc on peut revenir en arrière. Parce qu'il y a un spawn. Peut-être des bâtards, parce qu'on est des bâtards. D'accord. Ça m'a un peu surprise. Faut arrêter parce qu'on est un peu en mode cheat là, mais. Allez, j'invite. L'allemand c'était en 6ème. À tout le monde? Oui. Hier c'est la punk là-bas qui m'a fait bobo. Pourquoi j'ai plus de mana? Ah bah c'est parce que quand on a marché sur le checkpoint j'en avais plus, ça se voit. Peut-être pour ça. En tout cas elle est buggée la nana. Ah mais... Ah mais... Coucher. On a vu que ces bombes là en fait elles volent la mana. Je savais pas moi. C'est ce que je viens de constater, hein. J'ai plus de mana. Mm. Oh oui, le chouin gratuit. What? Quand il a eu le temps de me taper? Tiens. Attention, il y a beaucoup de nanas là. C'est des gardes en fait. Les Cascorus, c'est des gardes pour être transformés en momies. Et ceux qui balancent des bougoules, ça doit être les prêtres. Ah voilà. Je regarde un peu mon tank qui pouvait stun. C'est pratique. Ah, ça me perturbe parce que du coup, je suis deuxième dans la liste des personnages. J'étais dernier. Du coup, faut bah, tu peux racheter et je te ravite. Non. Bah, si ça te déperturbe. Non, mais c'est bon, je suis merci. Mais non, je suis con, inverse. Attends, pourquoi tu passes juste pour avoir une orange, sacrifier une vie pour... Je savais pas, j'ai eu une envie subite. Et en plus t'es full life, GG. Mais je pensais... Tu vois, j'ai vu des pics, j'ai fait... Oh, t'es de pique. Non mais... Ah, c'est pas une porte, ça. C'est du skill. Bah ça, y'a une porte. Ouais, mais on a peut-être pas... Ah ouais, ok, ça va être fun. Youhou! YOLO! Ah, il est de l'autre côté. Ah, il y avait une boule de feu. Merde, putain, je me suis retourné. Oh là là. Ah non, mais. Putain. Oh, ça me saoule. Mais bordel, tu vas pas arrêter à chaque fois. Non, mais vous venez de cramer deux vies quoi. Les vies, on est en galère à les avoir. Les boss, ils sont durs et chiants comme la pluie. T'as raison, on reset à chaque fois que nous on perd des vies comme ça. On resetera pas quand ce sera toi. Je commence à en avoir un de reset. Heureusement que j'ai sauvegardé en plus après avoir tué tous les mobs. Hein. On reset. On perd des vies trop facilement. C'est pas possible. Est-ce que t'as tout, moyen? Alors là je... Ah, GG Trandel, tu viens de trouver un truc. Bon, on reset pour ma connerie ou pas? Je sais pas, mais si vous venez pas m'aider, moi je vais mourir en fait. Je crois que je vais mourir avant. Un peu de vie. Oui, bah... Voilà, je suis morte. Il y a trop bon. De mobs dans cette... J'ai déjà deux vies de cramer.
Voilà. Putain, on est quand médium? On est quand médium? T'imagines en hard? Mais c'est pas possible. Ils ont EP la difficulté, mais de manière... C'est taille, quoi. Bon, c'est des fous. Bah, en même temps, on est 3, donc si la difficulté s'adapte au nombre de joueurs aussi, c'est normal, hein. C'est beaucoup plus hard. En tout cas, j'aime bien la technique de Trandel. De quoi, il s'est mis entre les deux? Ouais. Il attend qu'il tombe, voilà, tu te colles. Putain, faut avoir confiance quand même. Bah, je t'avoue que sur le coup, il m'a fait peur, mais c'est passé, donc... Ok, je prends l'aggro. J'ai pas faim, moi. J'ai pas envie de retraverser, je suis bien là. Prends l'aggro. Putain, fuck. Je les promène. Il, vite. Il. Vite. Là, j'ai l'aggro alors. Désolé, hein, mais je veux bien, mais. Est-ce que tu peux détruire le sarcophage, Jeanne, s'il te plaît? Le temps que je garde l'aggro. Non, le sarcophage. Détruis le sarcophage, puisque les mobs, je les promenais. Avec mon sarcophage, il n'y a plus. Voilà, déjà c'est moins l'horreur quand il n'y a plus les sarcophages. Tout ça, c'est pour une pièce? Faut qu'on soit méthodique. Ah, peut-être tasser par là. Ouais, mais ça sucre la mana. Je tente. Putain, t'es sûr, il faut passer une deuxième fois? Ouais, mais il y a un interrupteur en même temps. Ça va être super intéressant ce qu'on a de l'autre côté. Bah écoute, on va retenter. Puis mais on non, c'est moi qui dois le faire avec mon grappin. Mais bordel. Quoi? Je me suis fait écraser par la pierre. Bon, tente le coup, on va recharger. J'ai plus de mana, putain. Sinon, bah, on attend d'avoir les potions d'invincibilité. Voilà, hein. Et on va arrêter de faire les cons. Oh, sérieux, ça me saoule là. Ça commence à me saouler et on fait que de reset. Une tasse. Eh ben, c'était débile, mais je vous disais qu'il fallait que je rachète une tasse en plus. Est-ce que vous vous amusez sur le chat là? Est-ce que c'est fun ce qu'on est en train de faire? Est-ce que ça vous plaît? Moi, ça m'amuse pas. J'en ai marre. Alors, voilà. Mais pourquoi t'es passé en fond? Parce que j'y arrive mieux comme ça. Et là, j'ai hésité. Ce jeu me saoule, j'en ai marre. Goûtez, moi la première fois j'ai géré, voilà. Prends l'aggro. Je viens de dire d'autres. Je prends l'aggro, faut détruire les sarcophages. Détruisez les sarcophages, c'est la priorité. Après les mobs, on peut les détruire un par un. Ce qui est drôle, c'est qu'on aurait pu rester ici en fait et laisser les mobs se faire tuer par la boule de feu et les pièges, mais. Ah bah, il respawn à l'infini, il y a les sarcophages à péter. Oui. C'est pété. C'est bon, donc tu peux détruire les. Les mobs. Aïe. Vraiment. Pomme. J'ai pas envie de venir, je meurs en boucle. Vas-y, c'est ton bonus. Voilà. De toute manière, le problème en fait, c'est qu'on va devoir revenir, enfin partir et revenir en fait. Parce qu'il nous faut la potion. Vous êtes d'accord? Parce que la bouboule là, c'est one shot assuré? Ouais. Non, mais c'est qu'en fait, elle te met un dot. Mais si je suis full life, je peux passer. Voilà, on croit en moyen mon skill. Ok. J'active un interrupteur. Ouais. Franchement, ça valait pas le coup de gaspiller autant de vie, on aurait pu... Ah mais on peut passer par en bas? On peut passer par en bas. Ouais, c'est la sortie après. Voilà. Ah, et là il y a une sortie. C'est du feu, ok. Mmh. Passerait bien par là, mais. Parce qu'on n'a pas. Non, c'est. Ah, mais il y a plein de trucs à faire en fait. Hein, mais... Ouais. Avant d'avoir clean le niveau. On peut pas passer à gauche, y a que c'est que des flammes sur les trois premiers. D'accord, bah tu sais que tu connais pas la technique de swag pour passer les flammes? Je suis prêtre, mais non. Ouah. Putain, je suis mort. Elles font super mal ces flammes.
Les celles. Sur lesquelles on marchait en mode de, one again avant. C'est peut-être parce qu'on avait stack l'armure, tu vois, qui baissait les dégâts, donc on prenait que 1. Mm. Je suis en train de me balader n'importe où et tu me suis, c'est rigolo. Bah oui, mais je. Moi je suis. Faudrait dire, je suis perdu. En fait, j'ai l'impression qu'on a plus ou moins tout fait dans le niveau. On est obligé de passer par la droite pour activer l'accès au prochain niveau. C'est comment ça, cette tête? Je vais te regarder sur Twitter maintenant. Il s'est déposé sur Twitter. Je regardais plus mon écran et j'ai bougé. Merci. Tu es mon sauveur. Je sais pas comment je vais faire pour retourner. On a une silver key, mais... on peut aller vers le haut. Ouais, monte. Tu peux monter. Et tu... Oh my god! Oh, vous avez vu qu'il y a un piège qui s'active? Là, il y avait une boule dans un couloir, j'ai couru, mais bon. Attention, parce qu'elle peut revenir peut-être. Oui. Bon, est-ce qu'on recharge et on va directement en haut et on laisse le truc à droite? Parce que là, franchement, on met dans le 20. Franchement, on laisse tomber. On ne va plus à droite. On n'y va pas, on prendra une potion d'invincibilité. Je te rappelle que les potions d'invincibilité durent longtemps. Donc on ira jusqu'en bas. Et on laisse tomber cette merde. Ouais. Attends, le piège. Alors, on ouvre la porte et on se barre. Et on attend. Quelqu'un court vite. Putain, mais non, mais... C'était un point de chaud. Ça fait grave peur. T'as réussi à esquiver toi? Non, je me suis fait craquer. Mais je m'y attendais pas trop en même temps, donc j'ai un peu foncé comme à la one again, tu vois, et bon. Oh, ça les stun que je les grappe. Attendez, faut que je lise une compétence. Du coup, j'ai pas pu voir le tweet, tant pis. Alors, help. Vendeur, non, héros. Grapple hook. Non, bah je suis pas. Et salut aux deux H. Salut aux deux H. T'as pas eu la bonne tactique. Oh là, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Un rayon de laser. Salut. Qui fait des dégâts de feu. Donc méfiez-vous. Ça fait des ça met une date de feu. Putain, et moi je me mets dedans. Bon, bah moi je vais rester caché derrière. Allô. Attention. Oui, en fait c'est plein de petites boules. Ils bougent en même temps, ça les tire partout les petites boules. Ah bien sûr, faut que je tombe au moment où il tient la slave, quoi. Ah, il y a des sarcophages, ok. Reste vers nous, toi, en mode healer, s'il te plaît. Parce que là, tu... Mais j'essaye d'aller casser les sarcophages. Puis avec nous. Oh oh. Oh putain. On peut péter le putain de cristal. Je tire. Ah, bah je me suis fait one shot. Ah là, t'as pris toutes les missiles dans la gueule. Hein. Super. Non mais faut pas que t'ailles sur le front comme ça, c'est pas fait pour ça. Bah je sais mais... Enfin... Ouais. Oh putain. C'était juste. Je suis morte quasiment. Là je pète le cristal une fois qu'il sera un peu mieux. Merci, tu as sauvé la vie. C'est le cristal. Parce qu'en fait, chaque boule que tu te prends ça fait que un de dégâts. Mais là tu t'es toutes prises en même temps. Ah bah oui. Bah... Non, ça fait pas un dégât puisque t'as la dot de feu derrière. Ah ouais, j'ai eu plein de 1, ouais. Ça m'a bien défoncé la gueule. Je sais pas pourquoi j'ai peur du piège dans ce couloir. C'est des pommes, va pas chercher, c'est des pommes. Ah, y'a que des pommes. Y'a rien. Aïe aïe aïe, la grosse arnaque. Ok, allez, je suis content de venir. Au revoir. Moi, celui-là, il est facile. La coordination, ouais. Les pâtes au fromage, c'est surfait. Comment ça? Chercher mon plat et je mange plus et manger, c'est surfait. Quand ça, le ridicule ne tue pas, ou peut-être juste Soek, comment ça? Le ridicule me tue? Animal Crossing New Leaf, c'est sur quoi, quelle plateforme ça? Attention. Je sens venir la grosse boule. Hein.
Non, non, faut juste foncer dès que ça s'ouvre et pas s'arrêter. Ce que je comprends pas, c'est que des fois je fais suffisamment de dégâts pour pas qu'il me tue. Et d'autres fois, non. Y'a un quoi, laser ça bleu. Y'a un laser, laser bleu. Il tombe. Il sur moi, c'est possible. Il sur moi. Je suis ralenti. Il est où le laser bleu? Je l'ai pas vu. Il est à droite. Il est à droite. Putain, je sais pas du tout d'où il vient là, je flippe. Je mange la pomme, désolé, mais là. Oui, oui. Non, mais moi j'ai plus besoin des pommes. Je peux me débrouiller en santé. Plus de mana par contre. Alors attends, parce que putain de laser bleu, où es-tu? Il est au centre de la pièce à peu près. Ah ouais. 3DS, ok, merci pour la réponse. Oh putain de ta mère. Ok, on a plus de mana si on traverse, mais ça fait quoi? Je suis ralenti, faites gaffe, si on se les prend, on est ralenti. C'est des gars de glace. C'est quoi ça, c'est du feu? C'est de la glace. Ah. Faut péter, voilà, c'est bon, on aura plus les putains de momies. Attention. Wow. Oh, elle est pas trop près, elle est pas trop près. Ah bon, si vous pouvez me gérer les mobs, ce serait parfait. Voilà, y'a plus. Ok. Y'a un mob de l'autre côté, mais c'est tout. On peut traverser ou quand ça se passe? Je crois, ouais. Ah non, pas de ce côté. Là, là on peut. Ici. Bon, on va aller se mettre là. Voilà. De toute façon. Merde, les ennuis. Aïe, bordel de cul. Qu'est-ce que c'est que ça? Du gel? Faut marcher dessus, oui. J'imagine. Ah, j'ai des broussailles. Vous ne m'attraperez pas. Est-ce qu'il est méchant, lui? Méchant? Il part très gentil. Je tentais tout de glace. Oh purée! What the fuck? D'où il sort ce mob? Je sais pas, mais j'ai eu le temps de te soigner à... Bah merci, hein, parce que j'avais deux donné 3 points de vie. Et il t'a retiré à... Pas trop mal. T'as vu tous ces sous sur le gel? Ça ralentit juste ou ça fait des dégâts aussi? Ça ralentit. C'est quoi cette plateforme là de gel? Ah, va falloir la vie dessus. Ouais, va falloir la détruire. Ah, y'a un bonhomme. Ah, mais t'es moche toi. On a obtenu le levier. Ce pump levier, oui, il a dit. Oui. Oh, là voilà. D'accord. Il nous demande de l'aider à ramener le levier. Excuse-moi, on pète. Tu pètes sa baraque. Hein, comme quoi c'est pas mon bâton de levier. Hein, hein, hein. On aurait pu s'en servir quand même. Il a dit qu'il nous retrouve vers la pump station. Ok, alors je prends la pièce, faut que tu me full heal de en continu. Ok. Ok, on y va à 3. Non, attends. Là, garde ta mana. On y va à 3, d'accord. 1, 2, 3. Heal. Une botte violente. Putain, avant on pouvait. C'est parce qu'on avait la réduction de dégâts, je pense. Hein. Ouais, peut-être. Mal. C'est quoi ça? Un steak gelé? Non, c'est... C'est un miroir. Le miroir. Pas la clé de toute manière. Bon, on sait jamais, je teste. Ah tu as musique cet après-midi? Et on avait la cyber case. Attention, tu vas te faire taper. Yay. Beaucoup de pièges qui OS dans ce genre de donjon. Musique, je crois qu'on en a fait qu'en 6ème, non? Peut-être
peut-être tout le long du... J'ai pas tout compris. Le long du collège. Oui. Ah mince, il y a des dégâts. Le prêtre sur le front, tu sais, t'es... Mange ta pomme. Ah, une C. Attention au miroir. Non, on n'a pas encore activé le... Peut-être que c'est dans l'autre sens, on... c'est le premier que... Pourquoi il y a ça là? Attends, mais je vais me cacher là, moi. Je vais faire revenir les mobs. Ah, il y a un accès. Ouais, ouais, j'ai vu, mais je suis pas tenté tout de suite, là. Déjà, on va clean. Putain. Je peux te les mettre mec derrière les grilles, si j'y arrive. Wow. Merci, mais garde toi de la mana, peut-être. Ouais, on travaille. Ah, il y a un boss. Ouais, je pense. J'ai des mouches qui me tuent. Merci. Je peux pas. On recule, on recule, on recule. Ce truc, j'ai pas confiance là. C'est le miroir, c'est bon, tournez autour. C'est un miroir qui est pas actif. On revient en arrière. Un peu d'huile si possible. Et il nous envoie des mouches en fait, ce qu'on faut reculer. Mais... Bah, et vous ? C'est pour moi, je prends les mouches. Je prends les mouches. Oh putain, c'est horrible. Il est mort ? Oui, il est mort. Ouais, on va attendre que Trandel régène et puisse nous heal. Hein. C'est chaud. J'en jette un peu mon paladin. Je comprends. Ouais, j'ai pas joué... En fait, j'ai joué que au Animal Crossing sur GameCube et j'avais vraiment adoré. C'est vrai. Et je trouve que les cours de musique, personnellement, moi, c'était vraiment un traumatisme. Parce que maintenant, ça va mieux, mais quand j'étais jeune, même maintenant encore, hein, mais j'étais hyper timide. Genre, timide, vraiment maladivement, quoi. Donc, les cours de musique où on te demandait de jouer de la flûte alors que t'aimais pas jouer de la flûte. Non, par contre, bon, ça, tu... Vas-y, je te laisse le faire. Non, non, vas-y. Non, mais disons que si on est deux à le faire, ça va pas... Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est toujours le même ordre au niveau des symboles. Non. Ah ouais. Bah ça commence toujours par le roi, il me semble. Ah bon? Je crois. D'accord, bah, on vérifiera. Ah, c'est... Oui, le swag. Il y a un truc là-bas. Ah, il y a un zombie qui arrive. Vas-y, recule un peu, mon grand. What? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien péter son truc là. Aïe. Ah, j'ai plus de mana. Il est en train de me défoncer. Je suis morte. On est mort, Phil. Il y avait quoi au fond? Un mob qui nous gelait. On était dans un tout petit couloir et on pouvait pas reculer à cause des flammes. Putain. C'est moche. Tu laisses un spawn en fait. Je comprenais pas, il y avait des zombies qui arrivaient les uns après les autres. Il y avait un spawn de zombies, enfin de momies juste à côté. J'ai tué tranquille en fait. Je crois qu'il faut vraiment faire gaffe, hein. C'est bourré de pièges. Parce que là en fait on fait que des morts ridicules quoi. Je reviens en arrière. Ah c'est bon, ils sont tués, parfait. Allez, on y croit. Attention. C'est vraiment handicapant d'être plusieurs à faire en même temps. Y'a quoi en bas là? Rien sans doute, mais ça vaut le coup de taper en général. Ça pue le piège. Pourquoi ça, on dirait des scarabées à droite? Taper sur l'interrupteur, c'est la merde. C'est des scarabées. Ne pas toucher cet interrupteur tout de suite. C'est des scarabées. Méfiez-vous. Hein. Il y en a un qui m'a vu. Il a dit « Ouh, toi, je vais te manger. Le petit prêtre, il veut passer à la croix. » Ah, oh, j'ai vu un mur qui est abîmé. Non. C'est moi le prêtre, c'est pas vous les... Ah mon dieu, ah mon dieu. C'est toi qui es le plus safe de tous, c'est toi qui prends la potion.
Coucher. Coucher. Je viens de dead. Oui, on arrive. J'arrive. Ça me saoule vraiment parce que le blocage du paladin voilà. Était sans faille, quoi. Ouais. Ouais, quand tu bloquais, tu bloquais. Alors que là, ça se joue à une milliseconde. Est-ce qu'on s'occupe des scarabées ou pas? Ah bah oui. Ouais. On va activer l'interrupteur et on va revenir en arrière. Vous êtes en train de parler Ils sont en train de parler entre eux là sur le chat. Ils sont en train de parler qu'une enseignante se fait pas respecter parce qu'elle est petite. Non, c'est pas l'enseignante qui se fait pas respecter, c'est les élèves qui font preuve de manque de respect. Faut pas inverser les rôles. Reculez. Là on a un long couloir. Après il y a des. Comment dire, il y a des profs qui sont aussi un peu. Qui arrivent pas à. Oui, qu'on peut-être un peu un manque de respect. Mais oui, c'est un manque de respect. Mais c'est un manque de respect. Parce qu'en soi, vous êtes les élèves et eux, ce sont les profs. Quoi. Je sais pas si on a tout clean par contre. Bon, on a le passage avec les pièges d'ailleurs à passer. Ah oui, bah c'est. Oui, avec les cailloux. Prends une potion. Faut un miroir. Ouais, attends, bah si tu veux. Je... Oh non, mais ça me paraît simple. J'y vais. Super simple. On a le miroir. Tu peux vous le poser par contre. Mais... Ici. Pardon. J'ai pas fait exprès. Bah fallait le poser hein, tout à l'heure. Ouais. Oui, non, mais j'ai eu peur que de me prendre le rayon en fait, parce que j'étais là FK à côté. Mais moi aussi j'ai eu peur de me prendre le rayon, mais en fait faut l'activer, mais je sais pas comment il s'active le laser. Vous tapez très très fort. Attends, je vais l'éclairer de ma lumière. Non, ça prend pas. On va en bas du coup. On a tout activé, on a fait tout ce qu'il y avait à cet étage là. Oui, mais là on monte encore. Il y a le secret qu'on avait trouvé tout à l'heure qui nous amenait vers un autre niveau aussi. Il faut avoir la potion d'invincibilité, mais il faut avoir un chemin qui nous ramène aussi à la ville. Et on n'a pas de portée vers la ville pour le moment. Oh, il y a plein de scarabées et des gros méchants zombies à droite. Oh bah, on va les taper. Forcément, je suis aussi très petite et on m'a beaucoup embêté quand j'étais jeune par rapport à ça. Bien sûr. J'ai jamais compris vraiment pourquoi. Enfin... J'ai énormément complexé quand j'étais petite à cause de ma taille, alors qu'il n'y avait pas de raison, quoi. Ah putain de laser de merde. Et c'est sacrément dangereux, quoi, ici en bas. Tire moitié. Hein? Il veut pas. C'est quoi ces systèmes de défense? Oh putain. Il t'a tiré dessus et moi j'étais derrière. Donc, Faut pas me suivre. Qu'est-ce qu'il me veut lui là? J'ai rien fait. Par toi. Ah, la mana. J'ai un point de vie si possible. Quelqu'un. Meurs. Je te signale que t'as une potion, toi. Oui, mais voilà, je vais la cramer si c'est nécessaire. Je crois que c'était nécessaire. Bah non, regarde. J'avais un point de vie, c'était. Bordel. Ah, y'a un. Putain, c'est vrai que celui-là il tape fort. Ah, si. Attends, ça va. J'ai un meilleur angle d'attaque pour péter le cristal parce que là c'est la merde. Il nous faut vraiment plus de dégâts. Hein. Qu'on retourne en ville. Ouais, vivement qu'on retourne en ville. Prochain TP, moi je file en ville. Hein. Attends. Okay, sinon, laissez-moi gérer le cristal, je m'en occupe. Voilà, tu peux attaquer. Faut me laisser. Ok. S'il vous plaît, faut me laisser. J'ai vraiment le rythme, je. Oui, mais on t'emmerde pas là. Ah putain, voilà ce que je voulais éviter donc. Tu veux nous dire que c'est notre faute peut-être? Bah, je voulais pas qu'il tire partout donc tant qu'il me bise que moi, y'a pas de régulier, il fait
piou piou et après il fait piou piou piou. C'est pas par rapport à ça. Wow. Merci. Ok, le prêtre est mort. J'aime pas ça. C'est grave relou, hein. Je me prends vraiment des hits gratuits parce que je fais pas assez de dégâts, j'arrive pas à tuer les mobs avant qu'ils me taquent. Ah bah c'est peut-être c'est le miroir qu'on va placer sur la... Bah non, je vais mettre là sur la stèle du sous-sol, enfin de l'étage passé. D'autres miroirs. Salut Top Guerrière. Ah, salut Top Guerrière. Oh là, comment là, on va bah, en chier en fait, hein, faut dire ce qu'il y a. Je le sens pas du tout le mob qui est derrière la pierre là-bas. Mais on passe pas par là tout de suite. Oui, mais au moins un autre faudra l'affronter. Je pense. Je trouve cette map quand même très difficile. Hein. Vraiment. Très labyrinthique. Ouais. Ah, mais au niveau de la difficulté, je la trouve très violente. Après, bon, j'avoue, j'ai pris une classe que j'aime moins. Mais Y a du mob. Ah merde, y a un mage de glace. Y a plus. Ah. Bien, nous allons très bien, Top Guerrière. Aïe, non, je vais me prendre un coup à moins 27 PV, ça j'ai mal. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un peut prendre les momies pendant que je pète le sarcophage ou inverse? Voilà, merci. Bon, les sarcophages, je les fais fondre en 2 secondes. Non. Oh là. Ok, il y a un boss là-bas. Oui, non, c'est un totem. Ah, ou c'est le totem qui buff peut-être. Oui. Putain, mon body bloqué. Et il y a des mages de feu derrière, de l'autre côté de la. Ah oui. Bah, encore une fois, faut pas que t'ailles sur le front, hein. Je. Non, mais là j'étais body bloqué, j'aurais pu revenir si j'étais. C'est juste. Si ça avait été pas à vous, ça aurait été. Enfin, si ça avait été pas à moi, ça aurait été vous qui auriez été coincé. Faut vraiment que t'essaies de rester entre Swak et moi, hein. Ah non. Pourquoi je vais ici? Parce que c'est peut-être la suite du niveau. Mais attends, faut pas perdre Trandel, je sais pas où il est. J'arrive. À gauche. Oui. Oh, vas-y, les mobs ils me suivent, je vais retourner sur les pics moi. Non, viens, ils vont se faire défoncer, c'est bien, on est bien là. Ouais, mais. J'arrive, de toute façon. Je snipe. Ah, j'ai passé de. Attention, ça tient en face. Mais normalement, j'ai bloqué. Pas tout le temps, mais. Putain, c'est vraiment de la merde le truc. Hein. Oula. Ouais, je l'ai bloqué, mais c'est vraiment de la merde. Attention, bon app, Mousseline, hein, si tu as mangé. Il y a une tour. Lui va être un peu le plus chiant à péter. Merde. What the fuck? Une mana. C'est quoi là? Et il me vole de la mana celui-là. Il doit faire des dégâts aussi, non? Wow, t'as pris des dégâts, oui, c'est des dégâts. Un petit peu, mais moins que. Un, ah, après, partout, mana. T'es full mana. Y'a plus vu casser. Oh là là, plus en armoire. Je commence à me dire qu'il va falloir vraiment. Y'a un mini boss. Y'a un mini boss là. À mouche. Mini boss à mouche. On recule. Mais là, on a une portée limitée. On va passer avec les pics. Là où y'a les pics. Là où y'a les pics, va se les prendre. Allez. Là en plus, j'ai une bonne range. Attention mouche. What? Pris des mouches. Ouais, j'ai vu ça. Hop. C'est bon, il est mort. Ça c'est shit. Bon appétit. C'est vrai que là finalement le prêtre se révélerait limite indispensable pour cette map. Si vous défendez un prof à plusieurs, je pense que ça passerait pour un suceur, mais j'avoue. Ok, mais je veux la pioche qui est en haut là.
Peut-être qu'on peut le faire fondre et récupérer la pioche. Peut-être qu'avec ma lumière, je fais suffisamment. Non, bon, non. Non, non, apparemment, je. Je vais quand même grave chier. On avance. Bah, sérieux, sur cette aventure, je m'ennuie, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, c'est difficile, mais j'ai l'impression que. Bah, y'a que ton perso qui fait des trucs et moi, je me fais chier. C'est pas quelqu'un. Si je recule, c'est pour pas me faire taper. J'attends avec impatience. Il y avait des TP à tous les niveaux et là maintenant il n'y a plus rien. Tu veux dire des TP? Mais on est dans le trophée du soleil là. C'est quoi ça? Oh putain, c'est de l'épique et du feu. Ouais, il y a des archers. Eh, je suis censé le bloquer là. Vous pouvez me les tuer pendant que. Ah, vous en avez d'autres? Ah, je peux pas. Try. Non, je me suis barré. Tu vois, là j'aurais mon paladin, bah j'aurais tout bloqué à 100% et je ne serais pas fait à avoir une grosse débile. Merci. Je voudrais revenir en arrière, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné on avait deux portes à choisir, on a pris celle du haut. Et ça se trouve que celle du bas nous amenait vers un TP, parce que là on a absolument aucun TP quand on avance et c'est vraiment trop la merde. On a besoin d'aller en ville pour être plus puissant. Les escargots dans la glace. Oui. Aïe 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 aïe. Ah, attendez. GG. Une potion KO. Oh putain, je suis allé trop près de l'épique, fais chier. Oh, je suis perdu, oui, c'était bien là. Et du coup, il nous nargue, moi je suis à la porte. Hein, Attends, va à gauche, il y a une sorte de TP, j'ai cru voir. J'ai rêvé. Oui, mais il est de l'autre côté, je peux pas y accéder. Ouais. Il y a pas un secret pour faire un truc Bah, j'en vois pas. Non, faut désactiver l'accès, mais c'est un interrupteur qu'il faut désactiver. D'accord. Ça passe en bas. Ouais. Je crois que toutes les générations en ont eu, hein, des gens qui s'en battent les steaks et qui sont contents de pouvoir faire le bordel dans une glace. Oui. Après, nous, on avait des profs qui, c'est vrai qu'ils avaient aucune autorité, mais je veux dire, on les faisait pâcher. Si on vivait notre vie, on était contents. On sortait des jeux de cartes pendant leurs cours, mais on n'allait pas les emmerder, quoi. Donc on faisait notre thème derrière. C'est ça. Ouais. On avait une prof qui n'avait aucune autorité, mais en même temps, elle faisait des cours un peu pas terribles, voilà. Faut dire ce qu'il y a. Ouah, on se barre. On venait juste de prendre un checkpoint en recharge ou pas? Ouais, vas-y. Ouais. On arrivera. Je sais que c'est, ça doit être chiant, vous dites qu'on triche, mais en fait, on pourra jamais arriver à la fin du jeu si on triche pas. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu d'Alien Retry tout de suite, heureusement. Ouais. C'est pas de la triche, le jeu le permet. Oui, autrement, s'ils avaient pas voulu. C'est vrai que ce sont des checkpoints. On aurait pas pu. On n'aurait pas pu recharger. Vas-y, en fait. Vas-y, je vais faire tomber le truc. Alors, vous êtes où là, je sais. Tu montes. Tu fais un peu à gauche et tu montes. Ah putain. Il faut le caillou qui passe. Ils font grave mal, ça, non? Faut tirer les kites. Ah, y'a un mage. Ah non! Non, mana. Attention. Ce serait bien d'explorer avant de mettre les murs, on sait jamais. Il y a un totem. J'ai plus de mana, donc ça, j'ai surtout essayer d'être à peu près safe. Enfin, bon. Ça fera plus chier.
Il y a un boss, non, un totem. Ah, parfait, on a une, on a un TP, enfin un truc pour la ville. Super, c'est ça qu'on cherchait. On essaye de prendre le maximum de sous pour avoir de quoi acheter. Igugu. Oh, une pièce géniale en plus. Oh, c'est parfait. On a eu plein de pièces. Non, non, mais le pain, attends, on sera tranquille. Ok. On aurait été plus tranquille sans. Putain. Non mais sérieux, j'ai à peine fait un pas de côté quoi. Ça me saoule. Je sais comment pour traverser maintenant. Attends, j'arrive. Il y a une pièce là. Je suis obligé de tout faire le trajet. Ça te passe ou tu passes vite? Mais non, ça je me prends du 20 secondes. Ici. Non mais il y a une pièce de l'autre côté que je veux prendre, donc je dois faire tout le tour sans crever. C'est parfait. J'y vais. Je te jure que j'ai vraiment bien dosé ma touche quoi, donc tu peux me mail et que je la fasse? Non, je suis de l'autre côté. Je l'ai prise. Bah, je retrouve de l'autre côté. Merci. Ah merde. J'active le TP. Oh non, mais ça me saoule de crever pour des trucs à la con là-dessus. On a une pièce, enfin ouais, un œuf, on le met où? Je ne sais pas. Attaque, défense, vous préférez quoi? Défense. Ouais, défense. Je meurs tellement en boucle, moi je vais prendre, j'ai bourré la... Tu sais ce que ça veut dire? Alves, H-A-L-V-E-S. Quoi? En gros, j'ai une aura. Redis, parce que j'entendais pas. Alves, c'est H-A-L-V-E-S. C'est moitié? Enfin, non. Non, c'est un mot. En gros, d'après ce que je comprends, j'émets une aura qui slow les ennemis. Et je crois que ça diminue leur dommage, mais je suis pas sûr. Et c'est Alves qu'ils utilisent pour parler des dommages. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une heure de plus ou pas? Moi ça me va, oui. Oui, oui. Ok, bah alors dans ce cas-là, on envoie 5 minutes de pause et on se retrouve juste après. Allez, ça marche, à tout de suite. On est de retour comme d'habitude pour une heure bonus de live. On vous fait toujours des bonus et les bonus c'est bien. Et cette fois on va essayer de partir rechercher les secrets dans on va dire entre guillemets le premier donjon avant le premier boss, puisqu'on a enfin un levier et ben on va voir si on peut activer la fameuse station de pompage. On va pomper tel les Shadok. Allez. What? Tu connais pas? Là-bas. Là. T'es trop jeune pour connaître ça. Moi aussi, je suis trop jeune pour connaître les Shadok. Oh. Ah purée, ils ressemblent plus à quelque chose maintenant. Ça y est. Oh 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 oh. Attendez, il y a des trucs qui tombent. Oh, trop cool. Il y a un coffre en bas à gauche. Je crois qu'on a gagné le droit de réexplorer tous les trois premiers niveaux dans leur intégralité. Il y a un poisson là. Oui, je sais, je l'ai vu. Ah, c'est cool. Même si c'est un peu long. Attends, il nous redonne une quête ou une récompense? Ou une quête compense? The water is much lower now. Il dit que l'eau elle est plus basse. Voilà. Plus basse. Ouais, mais vous avez tous des. Arrêtez de monter vos gros kiki là, c'est indécent. Messieurs, s'il vous plaît. Non, vous en avez pas un aussi gros que le priest. Bravo. Il a un pénis lumineux. D'une prestance. Je suis ébloui à chaque fois, tu vois, je perds. Regarde. Non. Jolan, il aime pomper. Oh, arrêtez. Oh. Je m'abstiendrai le plus courant. Salut à Camille. Tu arrives au mauvais moment, apparemment. Salut à Camille. Merci.
Et on avait des pièces aussi pour réduire le prix des marchands. Ouais. Il y a plein de belles choses et des vies. On te suit, tu es... Oh. Là, il y a un... Attends, on va tester voilà. Le rond en premier, du coup. Ouais. Et après, c'était quoi? Ouais, c'était après, ça. En bas à droite. Je crois que c'est le même... C'est le même ordre à chaque fois. Le rond, le triskel, le Z et le 1. On va appeler ça comme ça. Tu reprends les cours à 14h? Mais courage. Et comment ça se fait que tu ne regardes pas depuis 10h? Hein? Putain. Il était pas levé, peut-être qu'il profitait de son dernier jour de vacances. Ah, ils vont en profiter avec nous. Heureusement que j'ai mon bouclier de mana. J'aimerais bien avoir un bouclier de mana, moi aussi. C'est marrant de voir ton personnage se déplacer. Ça me fait penser un peu à un mollusque. Tu sais, t'as le haut, là. Oui, je vois un peu, mais... On tourne pas un peu en rond, là? Ou je te suis, mais... Si, mais je cherche. Arrête de chercher, là. On en a marre de chercher, nous. On veut taper des gens. Tu veux qu'on monte à un étage supérieur pour... Ouais, je crois qu'on va changer d'étage, là. Ou là c'est inférieur. Ouais, je sais. Je cherche. Allez, attendez, j'en ai marre de chercher là, avance plus vite. Ah t'as eu un 20 sur 20 en anglais, ben GG. Bravo. Ouais, bravo. Attends, quand je pense à l'école primaire, ce qu'on nous faisait faire en anglais. Oh il y a la terre là. Bien. T'as débloqué de nouveau chemin effectivement. Et c'est ce qu'on voyait qui était pas accessible en fait. Une vie. Je sais pas si on vous a dit bonjour aux deux H, à Kimi. Moi je lui ai dit bonjour. Moi je sais plus. Je te dis bonjour. Il y a un checkpoint. Si, on sait jamais. Ah oui, peut-être plus haut. Non, elle avait déjà ouvert. C'est pour ça que ça fait plaisir quand même une rentrée avec un 20 sur 1. Salut Demon Bayonetta. Bayonetta. Bayon. Là, en bas à gauche. Salut, démon Bayon. Pardon, je suis désolé. Tout sombre en plus. Ça me fait peur. Moi aussi, je vais écrire en jaune orange. Je trouve ça joli. Oula. Ah, je fais pas de la lumière. Jacques, je peux pas. Il y a plein de traits. On peut pas remonter. Là, j'aimerais bien parce qu'il y a un interrupteur. Attends, monte plus haut. Ça fait peur, hein. Ouais, c'est très chelou ici. Ok, il y a un tout petit mur invisible si tu te places pas. Oh, là. De l'attaque. Ah, un succès. Daniel the Traveler. Il dit qu'il y a un mec qui s'appelle Daniel qui passait. Il dit qu'il cherchait de l'aventure ailleurs et qu'il l'a laissé. Ok, donc c'est la mouette de quelqu'un et qu'est-ce qu'on s'en fiche? Oh, désolé, mais c'est difficile pour moi de traduire. J'ai une mémoire très bizarre. Enfin, je sais pas comment dire. Tu comprends sur l'instant et tu te dis. C'est ça. Je vais comprendre. Si je pouvais mettre pause, je pourrais vous le traduire. Mais le fait que ça s'enchaîne, en fait, j'oublie déjà ce que j'ai. Enfin, je sais pas. Mais il y a un secret. Ah oui, un portail, donc on sait qu'on peut pas y accéder. Oui. On y accédera pas. Démon bayonnaise. Et oui, nous ça va, même si on en chie. Bon, ça j'aime bien, mais sur ce pont. Avec ton grappin? Non, il me faut un mur. Je peux essayer, mais. Sauter avec. Sur l'interrupteur avec... Non. Ah. Je vois pas comment passer là en fait. On peut pas balancer des trucs? Peut-être que ma lumière. Ma lumière. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'on aura un item qui va faire qu'on va pouvoir faire pousser des petits blocs ou. Peut-être qu'on pourra avoir des bateaux.
Ouais, je sais bon, pas. bah, demi-tour, hein, de toute façon, ça sert à rien de s'obstiner bah, à le on regarder. sait qu'une... Ouais, voilà. On sait qu'il y a un truc qui reste ici, on ira le chercher quand on aura la compétence qu'il faut. Non. Avec un portail aussi, y a pas oublié. Ouais. Eh bah, on sait qu'il nous reste des trucs à faire, donc on reviendra. Qu'on redescend. Je crois qu'on a tout vu, c'est bon. Oui. Bonne révision avec Kemi. Ouais, effectivement, c'était déjà un DS dès le premier jour. En plus, c'est salaud ça. Courage. Bon, après, en général, on est frais pour bien étudier. Mm. C'est bon, on peut s'en aller. Andy, on peut prendre la porte. Ouais, la porte, elle est là-bas, tu peux la prendre. On aurait pu prendre les TP-TP. Oh non, les TP c'est nul. Moi je veux ça. Ça mène où? Storage. Ah, c'est magasin une, ça. Une porte. Attends, je suis en train de remonter les perles. Ah non, ça c'est pour booster ah, les machins. Des pièces, c'est des sous là-bas. Oh. Il y a le pont vert, si on l'active, on a plein de sous et on a une pièce de vendeur. Attends, enfin, mais le pont vert, on a fait deux ponts verts. Si on active 1, ça tire, ça en fait 2. Attends, il dit quoi? Oui, d'accord. Vous voulez monter? Oh! 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 Tout cassé. Oh, on est gelé ici. Oula, c'est un boss. Ah, oh un my boss. God! Ressortez, ressortez! Salut! on redescend? On va chercher les autres items. Il a balancé des gros trucs. Non, on va lui faire la poule. Ça a sauvegardé ou pas? On verra bien, je sais qu'on peut le faire. Croire en nous. Voilà, je vous rends la vie. Mettez-vous dans la petite AO jaune. Voilà. Mais le boss il est pas là. Si, il est devant nous. Et moi il est en train de me défoncer la gueule. Ah, j'avais pas vu. Je balance mon aura, je sais pas si. J'ai un peu peur de. Mettez-vous loin des boules qui explosent en fait. Fouille le swag. J'ai. J'ai quasiment pas de dégâts en fait. Putain. J'ai rien pu faire. Hein. Non mais c'est moi, j'avais plus de mana. Ah mais il se régène. T'as fait la boule. Mais non mais je suis complètement bloqué là. Ah mais on va recommencer, mais je voudrais comprendre ce qu'il faut DPS en fait. Il y a des mobs à DPS, je sais pas si tu vois. Aïe. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai spawn et puis hop, je me fais défoncer. Aïe aïe. Ah je suis mort. En fait, quand tu le DPS, il se régène. Hein, donc. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait rien de taper le truc dans gelé là. Ouais, pareil, j'ai bourriné aussi un truc gelé, ça a rien fait. Bon bah, j'abandonne. Hein. Aïe, 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 aïe. Si. Ok. Ah oui, mais super, ah. Ça nous les libère. Ah, mais maintenant on peut les tuer. C'est ça qu'il faut faire justement, d'abord les libérer et après on peut tuer le boss. Je suis morte. Ah, il gèle, oh là là, c'est fou. Je voulais tester de voir si je pouvais péter. Je peux sweater mon AOE comme je peux. Ah, j'ai pas assez de mana pour balancer mon. Je t'aide. Je pense qu'il faut kite le bidule comme on peut et on focus tout le reste. Oh non, je meurs par des projectiles auto-guidés quoi, c'est un truc de dingue. Ouais, toi t'étais complètement mort. Hein. On a tout pété. Est-ce que là on peut le défoncer qui régène. Oh et là il prend cher. Bon alors on a compris la tactique. Mais il aura de soin à ses pieds. Aïe, c'est TP. Bon, on a compris la tactique. Ok. Nous on triche, on s'en fout. Nananananer. On commence par les statues du coup. Où on commence par le truc central. La statue, le truc milieu là. Et vous voulez qu'on fasse le boss tout de suite ou pas? Parce qu'il faut esquiver là. Ou on va d'abord, on revient qu'on sera plus puissant. D'accord, il y a pas de souci moi. Ouais, moi ça m'est égal, c'est comme vous préférez. Ah, on peut le tenter, hein, mais faut pas mourir en boucle. On sait ce qu'il y a à faire. Comme vous voulez. Bon, on fait un test. Attention, tu as envie de prendre là? Non. Ah.
Chou. Ok, j'ai reçu. Bon, allez, merci. Défense de wipe. Donc, on commence par le truc central. C'est ça. Alors, Et on soigne des boules. Il y a une tête du boss, il y a une tête du boss. Bah écoutez, je prends la grotte. Kai, t'as besoin et tu nous heal en fait. Hein, t'expert heal. Bah là, les statues se sont débloquées. Et si vous éloignez du boss, hein. ça sert à rien de rapprocher les mobs vers le boss. Il va se TP vers nous. Ouais, il arrive vers moi, c'est moi qui ai la grotte. Alors bouge. Oh, t'as une popo si jamais t'es bas life. Allez, un mob en moins. Deux mobs en moins. T'as des mobs au cul ou pas? Oui, ouais, oui, je fais la gros du boss et des autres mobs. Très bien, tu kites super bien. Oh mais non, bâtard. Je m'occupe des squelettes si vous voulez. Garde t'as là pour te sauver toi. Hein. Non. De toute façon, c'est bientôt... ils sont bientôt morts. Hein. Go. Boss maintenant. Je suis quasi morte. J'essaie de me barrer. Boss time. Ah, arrive. Non mais sauf toi, moi je vais partir loin et je vais essayer de pas mourir cette fois. Attends, essaye. Merci, mais je vais partir loin et je vais... Putain, c'est Bouboule qui se... Je reprends l'aggro. Et je te mettrai Nao à tes pieds, soit avec Nao de soin. Pour que tu puisses te régénérer. Comme ça, je vais m'éloigner après. Je défonce le boss. Putain, il fait peur avec ses troupes pio là. Tiens, je te la mets. Merci. Ah, ça fait rien. Merde, je suis gelé. Minute donc qui illumine sinon, hein. C'est efficace. Oui, je sais ce que j'ai fait du coup. Non, mais t'es sérieux? J'ai l'impression qu'on peut taper les boules, mais j'ai pas envie de tester. Ah, je suis mort. C'est dommage que tu te sois pas il t'avait une potion quoi. Oula, Jolan, attention. Je laisse un peu t'en charger. Oula, c'est quoi ça? J'utilise ma popo pour. Ah, d'accord, il s'est TP. Il envoie des carrés maintenant. Ah, je me suis fait one shot. Bon. J'étais coincé dans deux AOE. Je peux bien taper les boules en bleu. Ouais. J'aimerais bien aller au cac pour taper, mais j'ai pas trop foi là. Le problème c'est que j'arrive plus à DPS parce que j'ai 150 000 trucs qui me courent après. Faut que j'arrive à prendre l'aggro du boss. Voilà, j'ai repris l'aggro. Comme ça oh vous non, pouvez aller c'est taper. Pas possible. Okay, ouais. Putain. Bon bah laisse tomber, on a perdu trop. Si on laisse tomber et on revient quand on achète des trucs au pire. Oui, oui, on rachète de santé, mana, bah, armure. Pas maintenant, on reviendra un peu plus tard parce qu'on a pas grand chose. Oui, hein. Plus tard. Non mais voilà, maintenant on sait à quoi s'attendre, on sait comment s'y prendre et puis c'est pas grave. De toute façon, c'est en essayant encore et encore pour finir par y arriver, hein. Donc, c'est pour ça qu'on va se... Ici, je sais qu'il y avait des... Voilà, un bouclier d'armure. Enfin... Ça, en armure pour tout le monde. Ah, le pont vert, il va être ouvert. Voilà. Ça va être par là. Oh, tu dis que j'ai pas pris de vie, mais moi j'ai tout full stacké l'armure hein, pour baisser les dégâts que je prends. Je crois que c'est ici qu'il y avait le... Oui, il y a le pont. Et plein de chouchous. Oui. Voilà. Ok, ah d'accord, c'est pour ça que le pont vert, ok. Mm. Je me disais il y a deux ponts verts, mais non, c'était bien le même. Ouais, en fait, c'était la continuité. Boum. Bon, bah je crois qu'on a fait le tout. Ouais. Peut-être d'autres trucs. Mis à part... En train de chercher. Hein. Oui, parce que ce niveau est assez grand quand même. J'active un checkpoint. Non, moi
moi je vois rien. En plus, il me semble qu'on a déjà un peu regardé ces niveaux-là. Non, c'était, on l'avait pas encore fait. Tu viens de te refaire un cappuccino? Non, c'est un thé. J'ai envie d'un thé. Bonjour, on change de niveau. T'as tout exploré? J'ai vu toute la partie à droite, là, y'a plus rien. À gauche, j'ai rien. Finir deux pour ne pas donner envie à nos streamers. Résultat, ça nous donne envie, Mephisto. Mais envie de quoi? Il a mangé un truc, mais il peut pas nous dire, sinon ça va nous donner envie. Moi, c'est. J'ai acheté un flan parce que. C'est quoi le jeu? Hello, L. Animus. C'est Hammer Watch. On change de niveau, non? Si tu veux. Je sais pourquoi mon AOE t'a pas soigné tout à l'heure. C'est parce qu'il faut qu'il y ait un ennemi dedans. Ouais, c'est du vol de vie. Fallait qu'il y ait un ennemi dedans. Comme il n'y avait pas de boss. Ce qui fait que tu dois pouvoir bien tanker si t'as un gros pack de mobs. Tu mets là-haut et puis voilà. Ça. Tu continues à parcourir le... J'ai fini, je vois plein. On doit tuer vous ou pas? Ouais, je vais à la sortie. Ah merde, on passe par là. Par le pont. Là, il y a un accès. Mais il est pas là, Freelander. Il est caché. Exactement. Mince, j'ai perdu le fil de la conversation. Ah, manger. D'accord, oui, d'accord, oui. Moi, je pensais à autre chose parce que personnellement, j'ai pas envie de manger. On descend. Il y a toujours cette salle cachée là aussi à droite. Je sais pas si vous. Ouais, mais on y arrive par un escalier en fait. Donc, oui, oui. Non, non, mais c'est juste pour là, pour qu'on sache qu'on avait aussi. Hein. J'avais pas exploré. Youp. J'ai pris une flèche, je l'ai vu. Ça. J'ai cru. Full mana. Personne ne s'est brisé flèche. On parle pas à Bushman. Ah, Overwatch, t'as compris, ça a bien changé depuis le temps. Ouais, c'est la première version de Overwatch. Hammerwatch. Hammer, comme marteau. C'est pas la première fois que quelqu'un nous dit Overwatch. Que Overwatch s'est fait beaucoup connaître ces derniers temps. C'est bon, laissez-moi manger mon flan là. Ah. Ah non, c'est passé. Je pensais que j'allais prendre. J'adore ce grappin. Le chemin que t'en as encore au début quoi. Je suis en train de manger du flan. Moi je mange du flan. Parce que je laisse répéter. Oui, tu manges du flan. Bravo, voilà quelqu'un qui suit. Tu te rends compte quand même que quand on avait fait le boss à tout à l'heure, on était à 8 vies en passant par là. Là on repasse, on en a plus que 7. Moi aussi j'ai envie de jouer à Overwatch, mais j'aime pas y jouer toute seule, ça me frustre. C'est la version 0.5 d'Overwatch. Non, 0 voilà. Point. 0 point. Ah, tout à l'heure on était passé par en haut, j'ai envie de tester le bas. Pour ce que là il y a Anzo, et là il y a Merci façon masculine, et moi je suis... Oh, ah, sorti. D'accord, ok. Donc on s'est pris la tête tout à l'heure pour rien, on est à l'extérieur. C'est quoi une quête à rendre? Je vais voir si je peux acheter... On peut donner un œuf en attaque. Qu'est-ce que tu veux? Le bruit que ça fait. Ah, je me disais bien qu'il y avait un stun sur mon grappin. Je peux mettre mon grappin sur un mob et le stun. C'est génial. Beau dommage, j'ai pas assez de sous. Qu'est-ce que j'achète? Mana ou santé? Ce qui me saoule, c'est qu'en ce moment, je fais que de mettre de la vie et des trucs de défense. Bah ouais, c'est pareil. Bon, je prends un de vie.
Et je prendrai de la mana quand on reviendra. Je vais juste regarder ce que je vais acheter après. Ce qui me sauve, c'est que depuis l'aventure, j'ai jamais eu de potions de. Alors que vous, vous les prenez toutes. Je touche un peu la tristesse. Oui, mais on a un prêtre qui est censé nous heal. Il a un kiki lumineux et en plus, il nous l'a dit tout à l'heure, son kiki lumineux est devenu plus grand. Oui. Attends, j'ai pris la vie, je me souviens pas. Ah oui, j'ai pris la vie. J'hésite pour le dernier truc à prendre. Voilà. J'ai augmenté le speed, comme ça, je peux faire des coups. J'ai quand même beaucoup cette de musique portée, ne vaut clairement pas celle d'Overwatch. Bah, moi je la trouve très bien. ça vaut peut-être pas Overwatch, mais quand même pour un petit budget indé, Hammerwatch c'est quand même très bien la musique. Faut venir d'un côté. Quoi ? Tu veux pas qu'on reprenne le si TP, on stream mais... une heure ou deux de plus, tu monteras. Tu level upras peut-être, Mephisto ? Mais du coup, c'est une raison de pas stream, moi je veux pas que tu level. Attends, tu veux aller là-bas ? Eh oui. Parce que le premier niveau, on l'avait pas clean en fait. Pas dans sa totalité. Mais du coup, Mephisto, ça me. J'ai arrêté de stream tout de suite. On coupe le stream. Ah, c'est une invulnérabilité. Qui ça? Toi, parce qu'on a tous les deux une popo déjà. Putain, mais je suis tellement rack niveau saut, tu me saoules. Parce qu'on va passer par le passage secret. Salut Freelander. Salut Freelander. Maintenant qu'on a plus d'armure et de mana, tu crois qu'on aura vraiment besoin de la potion d'invulnérabilité? Ah oh, oui, ouais. Ouais. Parce que. Ça, ah, mais j'ai pas assez moi, j'ai pas assez de sous. Ouais, j'ai 17 sous donc. D'accord, bon bah tant pis. On tentera. Oh, ça se fait d'ailleurs toi que t'es dit 10 700 là. Espèce de. Parce que j'ai pas dépensé. Je mince, j'ai oublié que si j'ai dit bonjour à Freelander, il me semble que si. Est-ce que ça vous dirait qu'on stream aussi de temps en temps du Overwatch par hasard? Non. Ça peut être fun avec des amis si. Bah disons qu'un stream comme ça, ça risque d'être vraiment le stream de la concentration, quoi. Donc y a pas beaucoup d'échanges possibles. C'est là qu'il faut qu'on accepte, parce que ça, on va avoir un chemin secret après. Ouais, là. Mais j'ai pas de potion. Hein. Ouais, y a un accès. Mais le chemin, ça ouvre juste un truc là et ça donne des bonus, c'est tout. Non, il y a un vrai chemin avec une entrée, comme un escalier. Bah écoute, tu peux peut-être y aller. Tu veux utiliser ta potion de soin, après tout la potion de soin elle coûte moins cher que la potion de raise, hein. Donc, bon. Et moi je pourrais te soigner après. J'attends là où ça s'ouvre. Ah merde, mais il y a les zombies à s'occuper avant. J'arrive. Attention, je recule. Voilà, splash. Colle contre celui-là. Hop. Attention. Ouf. Bouclier de mana. Tiens, laisse les zombies venir dedans, et ça te soigne. Merde. J'essaie de péter le dernier truc de zombies. Il y a des pommes en bas s'il y a besoin. C'est bon, c'est cassé. Mais déjà, c'est beaucoup plus facile. Pfiouf. On a beaucoup moins galéré. Mais non, ça pourrait vous plaire quand même qu'on fasse quelques parties d'Overwatch. C'est après voilà, en mode détente. Effectivement, qui est beaucoup streamé, mais de temps en temps, c'est vrai que ça pourrait être cool. Après, le problème, c'est que je fais tellement des pauses sur le jeu. Oui, il y a Cut Chopper que je joue bien. T'as pas un dot de heal par hasard? Non, il faut des ennemis si tu veux du soin en continu. Bon, allez, on y croit. Oui, pas ta potion. Ah bah c'est bon, en fait j'ai suffisamment de vie là. Ok, nous on peut refaire demi-tour et passer en bas à gauche. Bah attends, peut-être qu'on fasse demi-tour pour qu'on te soigne. Ouais, c'est ça. Faites gaffe de pas crever là par contre. Ah non, non, franchement là c'est pas cool. On avait activé un checkpoint ou pas? Vraiment, je sais pas. Parce que là c'est une vie de merde, hein, là, franchement. Vie de merde. Je pensais pas être dessous quoi, je me voyais au bord. C'est vrai, moi j'ai du mal à passer le passage avec les pierres. Vous arrivez, mais moi j'arrive pas. Bah là je me suis fait avoir. Donc. J'arrive au retour, mais j'arrive pas à l'aller. J'arrive à l'aller, mais j'ai pas réussi à retourner. Il y aura un nouveau personnage quand je sais pas. Son bras. Ouais. Son bras.
Elle va arriver ce week-end normalement, si tout va bien. À la Gizcon. Donc normalement ce week-end à la BlizzCon on devrait avoir une révélation sur Sombra. Que là ça fait quand même 2-3 mois qu'ils disent Sombra et voilà. Il est en grand temps qu'il la sorte parce que... Et là on est en train de te reprendre par rapport à Chopper ce week. Non on me reprend pas, c'est une petite blagounette. Ah. Chopper de le renne dans One Piece et non. Chopper celui qui est très gras, le cochon là qui se bat avec un grappin et un peupon. J'aime bien les peupons. En général, les personnages un peu fins à jouer, c'est pas mon truc quoi. J'aime bien être dans la mêlée et brûler. C'est mon kiff. Oh, je déteste ce truc. Vas-y, reste dans la web. Ça leur aspire la vie. Attends, on a plus de vie que tout à l'heure quand même. Non, puis aussi là on perd moins de vie parce que je pose mes AOE. Donc en fait ils perdent de la santé et t'en regagnes en même temps. Donc t'es beaucoup plus safe. Attends, je te heal. C'est quoi cette pièce là, troll là, à chaque fois? Vilaine pièce troll. Bon, on te regarde faire ton truc et. Bon courage. Pfiou. Soit tu t'en prends qu'une quoi. Ouais. Oh, ah oui, pour passer maintenant sans mourir. Oh mon crap m'a pas marché. Tu Soulever contre les pierres, hein, c'est plus simple. Putain, va te faire foutre. Excusez-moi, je m'énerve. Voilà. J'ai lancé trois fois mon grappin de suite et je l'ai lancé au même moment. Attendez, moi je vais passer à, en vite fait, je vais les bouffer. Il faudrait même qu'il y ait le rayon lumineux qui m'attende pour me heal tout de suite. Oui, oui. J'ai plus de mana. Faudra attendre. C'est pour ça que je voulais pas que tu passes en fait, j'ai demandé d'attendre, mais. Pas grave. En fait, et t'aurais pu te cacher sur le côté, au lieu de. Je sais pas si t'as vu que tu peux être à un endroit où tu peux te cacher sur le côté. Sur le côté? Bah là, à droite. En haut à droite. Ah oui, mais c'était pas accessible. T'es pas ouvert avant. Ah d'accord. C'est là la sortie en fait, je veux prendre. Ah. Notre chanson préférée, oh, c'est compliqué. J'ai pas de chanson préférée, sincèrement. Par contre. Préférée du moment, il y a un remix. Si c'est du moment, il y a un remix que j'aime bien en ce moment de Brigitte Bardot. Ça peut paraître bizarre, mais. Bon, on va attendre une petite régène. Bon, écoute, je claque ma popo. Oui, c'est bien ça. Nouveau, tu claques ta popo. Bah parce que ça j'étais cher, live. Le popo. Bah oui mais j'étais ouais, mais live. Suffisait d'attendre, on était pas pressé là, c'est du gâchis ce que tu nous fais. Tristesse, tristesse et solitude. Oh les anneaux Sonic. En plus ça fait vraiment le sol des niveaux de Sonic. Enfin je sais pas comment dire. C'est peut-être C'est un clin d'œil. Mais du coup on a des sous. On a pas beaucoup de sous. Non c'est un succès. Je suis la pauvreté, je suis toujours la pauvreté hein. Attends, je sais plus où est-ce qu'on est, on est là, on va peut-être prendre l'escalier. Soit qu'elle a dit va te faire étoile, étoile, étoile. Je sais pas ce que. What the fuck? Tu sais, je me dis, il est encore en train de me troller et tout. Et là, je vois. Merci pour ton don, Freelander de. Ouais, merci pour ton don. Attends, parce que vous êtes passé où là? Il faut reprendre la concentration. Si tu fais un don comme ça, c'est sûr que je vais le prendre de. Enfin. Demandez quoi? Sac de poule pour. Mais je pleure pas, c'est juste que. T'es ému! Que. Sac de poule pour le micro ou l'appareil à raclette 100€. Voilà. Merci beaucoup, attends. Bah oui, ça m'émue un peu. Bah, tu sais, ça tombe bien en plus parce que on a une réunion avec toute la web TV dimanche et donc on va en profiter pour leur demander des conseils par rapport au micro. Comme ça, c'est nickel, ça tombe pile poil. Franchement, super, mais ouais, merci pour ton don là, ça.
C'est génial, je pense que courant novembre, on pourra d'ailleurs montrer le micro qu'on va, dans lequel on va investir. Faut qu'on se renseigne correctement. Un truc comme ça. C'est pas évident par contre les micros, hein. On a commencé à s'enseigner un petit peu, il y a beaucoup de choix. Ça sert à rien de mettre 1000 € dans un micro aussi, il y a une histoire de réglage. Donc faut qu'on se renseigne. Avec le filtre anti-pop aussi pour avoir une bonne qualité. Voilà. Je suis la pauvreté, non, je suis pas. Merci beaucoup en tout cas à toi Freelander, ça a vraiment donné un coup de pouce au niveau de la qualité et tout. Oui. Je trouve que ça va même au-delà de tout ça, c'est que c'est un témoignage, je trouve, comme quoi tu crois en nous et en ce qu'on peut faire. Et du coup, on n'a pas envie de te décevoir aussi, et ni les autres viewers. Ça va être plus rapide par le n'importe quoi. Oui, ça nous motive quoi. On va mettre les bouchées doubles aussi par rapport à tout ça. Quoi. Je lis Ozone. Je suis pas sûr de voir ce que c'est, mais j'avais pas un très bon souvenir de Ozone. Je connais pas. C'est le groupe. Ils sont de quelle origine? Ils sont pays de l'Est là, c'est à Roumanie je crois. Ils sont pays de l'Est. Moi des fois je suis tristesse. Avant j'étais pauvreté, aïe. Puis après Freelander. Du coup Après je veux dire, à chaque fois qu'on nous demande de tenir, enfin, une chanson préférée ou un jeu préféré, je trouve que c'est très compliqué de résumer ça en un seul jeu. Ou une seule musique ou un seul film. Du coup, pour la musique du moment, je pourrais vous le linker. Je vais pas le passer parce que la pause, normalement, il y a les pubs. Et salut Bidou, hein. Salut à toi, Bidou. En fait, je vais prendre un pari raclette. Manger. Ça peut être important aussi, comme ça on sera en pleine forme pour streamer. C'est ce que j'ai dit. Ah, c'est Oz One, d'accord. Ah oui, dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est différent. Non, je connais pas. Merci de nous souhaiter à nouveau la bienvenue, Freelander. Non, il a dit you're welcome, ça veut dire de rien en anglais. Oui. Welcome, bienvenue. C'est une expression. Oui, c'est une expression. Ok, merci. Les expressions en anglais, tu peux pas les traduire mot pour mot. Non, mais je ne savais pas, du coup, je. C'est comme tu dis à tes souhaits en français, les mecs. Qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Ils disent pas ressources? Non, ils disent quoi? Je crois que tu me demandes s'ils disent pas ressources. Hein. Je crois qu'ils disent ressources. Ça sent dans une autre langue. Enfin, Jesus, enfin, ressources. Enfin, je sais pas comment ils disent, quel accent et tout. Je sais plus non plus, mais il me semblait que c'était ressources. Alors que si tu dis as you wish en anglais, c'est comme tu veux quoi. Ah, je suis juste en train de vérifier qu'on est bien tout clean. Hein. Je tourne un peu. Là, c'est notre point. Ce sont ceux de Undertale. Mais des fois j'aimerais bien, je sais pas si... Ce que j'aimerais bien c'est faire une playlist où chacun met sa musique préférée et ça pourrait être quelque chose d'assez exotique. Ah. C'est des pièges, ça mène à rien de l'autre côté. En fait on peut faire le tour par les chemins traditionnels. Ah merci. Me suivez pas, je pense qu'on va remonter. Ouais, on va remonter, me suivez pas. Cet étage va être clean en fait. One more time. Moi ça me fait penser baby baby one more time. C'est pas de Britney Spears. Non, non. Moi je connais one more time. Après je connais pas les paroles. J'aurais bien essayé de dire des trucs, mais le problème c'est que vous savez ça ressemble à du l'anglais mais yaourt parce que je connais pas les paroles tu vois. Je vais n'importe où et tu me suis. J'adore. Je vous promets mon petit prêtre. Bless you no quoi. Bless you. Ah oui, c'est ça, oui. C'est bless quoi you pour tes souhaits. Enfin, pour. Oui, pour les ratés. Ah non, c'est rien, c'est là où il y a les pommes. Alors, on n'a pas tout clean, il y a des mobs en haut à droite, hein, je suis en train de les voir. Donc, bless you, c'est pour tes souhaits en anglais. Bless you, c'est. Par exemple, si je dis I bless you, c'est-à-dire je te bénis. Enfin, pas forcément bénis, mais je te. Tu sais, ça peut avoir plusieurs sens, mais je te. Tu as ma bénédiction. On va dire. Ah bon, on l'avait pas. Si on était déjà allé à ça. Faut juste passer. Je t'arrête pas. Oh. Ok. Attention, c'est carré. Ah ouais. Mais c'est des sous aussi. J'active. Ok. Cool.
Ouais, mais ils se font dépouiller, les pauvres. Oh oui, on a voix de drain. One more time, c'est des Daft Punk. Oui, voilà, c'est oui. Bien ça. Ah, excuse-moi, hein, moi, parmi alors les là, farmers, tu parles à des fans de. Enfin, je sais pas pour toi, j'allais dire ton prénom. Trandel. Oui. Oh, regardez une balance, c'est moi, regardez, c'est moi. Tu es dessiné la balance. Je suis une grosse balance. Oui, en fait, c'est là où il y avait un PNJ, je pense, et on a défoncé tous ces meubles. Oui. Disons que Daft Punk, moi je suis assez fun. Bon, j'ai un peu. Je suis assez fun. Attention, il y a un rayon lumineux en face. Je suis assez fan, mais bah, j'ai beaucoup écouté. Du coup, voilà, je l'écoute plus beaucoup. Et pensez à remercier celui qui a activé le rayon laser. Oui, merci, Jolene. Voilà, j'en suis fier. Pourquoi on va là-bas? Je sais pas. On va passer de l'autre côté en fait. Continuer le donjon. Est-ce que vous voulez qu'on passe des emplettes avant? Oh putain! Pardon, excusez-moi. La belle pour les lives. On peut aller faire nos courses parce qu'on a on a récupéré des pièces. Non, je pense pas. Je veux pas une playlist. Je pense pas faire une playlist pour les lives, c'est le problème. Pour les rediffusions et tout, ça devient. C'est vraiment compliqué. Ouais, effectivement. Ouais, parce qu'on va faire des achats. Dès qu'on diffuse une vidéo effectivement sur YouTube, ça devient le bordel dès qu'on met de la musique, donc donc on ne pourra pas le faire. Ah, on peut up un marchand. La défense moi. Allez, c'est EP. Parce que je vais me prendre l'armure supplémentaire. Moi je vais booster mon attaque. Putain, je peux pas. Je suis pauvre. Moi aussi c'est pareil, je suis pauvre. C'est un truc de j'ai envie de tester ça, mais tu sais là. Risky business, mais je pense que c'est une connerie, mais j'aimerais bien tester au moins une fois. Oh lol, je vais pas avoir assez de sous. Trop cher. Mais on s'en fiche que ta musique a rien à voir, nous, on aime Daft Punk. Daft Punk, c'est bien. Des très bons DJ français. What? Et ils sont français. Donc. Erreur. On s'est oui, faire demi-tour. Putain. Je les voyais faire. Non. C'est vrai que des fois il y a des musiques de jeu qui sont pas mal. Mm. Je déteste ce passage. Oui, c'est très. Ah non, là c'est ça. Non mais c'est bien le laser, ça met un peu de piment dans les pattes. Dans les pattes? Quoi, t'aimes pas mon expression? Je mets pas de piment dans les pattes. Une fois je me suis fait une omelette très 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 épicée, parce que j'aimais bien ça. Mais je l'avais trop épicée pour moi. Et un petit enfant qui a fini mon omelette, il était tout rouge, c'était marrant. Il s'est mis à pleurer, il est devenu tout rouge. C'était un gosse de, 4 ans quoi. Il a fini mon omelette, oh, c'était marrant. Il faisait un peu la tête de l'image de Freelander, mais en tout rouge. Voilà. Mais en fait, tu es machiavélique. Mais non, mais je lui ai jamais demandé de finir et tout. J'AFK, je reviens et pff, la bouffe. Bon, bah, bonne nouvelle. On a qu'une ce donjon aussi, donc on peut aller au prochain. Ah, salut sorcière. Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Salut sorcière. C'est vrai, il a des bijoux. Bijoux. Bon allez, go rush parce que là dans 10 minutes de toute manière, fin du live. Et oh, oui, c'est toutes bon, les bonnes choses ont une fin. Oh, alléluia, j'aurais plus à vous supporter. Je crois que c'était par là qu'il fallait passer, hélas. Si j'ai pas envie. Salut. Bah tu seras face à un mur. J'adore te voir galérer. Vous avez oublié une pièce ici? Mais c'est pêche quoi. Quoi? Ah. Money is money quoi. Mais qui dit que c'est pas toi qui l'ai oublié? Mon grappin il sert à rien, c'est vraiment nul. Hein. J'adore ce grappin. Bon, et n'oubliez pas, hein, j'ai pas beaucoup dit effectivement durant ce live, mais abonnez-vous à notre Twitter hein, si vous voulez suivre tous nos lives. Et abonnez-vous à notre YouTube, Swag Jolan, si vous voulez rater aucune vidéo. Il y a une pioche là. Oui, je sais, j'ai vu, mais je pense qu'il faut le faire fondre. Ouais, et ça va servir à une quête. Et on a deux miroirs, donc on a un truc à faire avec les miroirs. Hein. Et ça nous permettra de détruire les rochers à l'extérieur aussi. Oh là là, c'est trop. Oh là là, comment t'as glitché toi? Non. Ah ouais, effectivement, mais Swag va devoir vous supporter ce soir. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on peut répéter peut-être. Mais tu feras du Darkest Dungeon de 20h à 22h?
toute seule. Et ça me met beaucoup la pression. Parce que je suis quelqu'un de très timide. Peut-être qu'on peut le pousser. Ah, t'arrives même pas à appuyer sur le truc. Tes flèches, elles sont toutes pourries, quoi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, là. Passer par là, mais je sens que ça va faire mal. Parce qu'évidemment, on va falloir passer par le chemin où il y a des pics. Mais non, mais les pics, ils vont nous tuer. Mais oui, sinon les flèches. Ils s'abaissent pas. Ah, ils s'abaissent. Ah, ils s'abaissent. Ouais. Donc là, zone safe. En bas, faut pas. Hop, venez. Ah, attention. On reste à côté du prêtre qui peut nous heal dès qu'on fail. Par contre, le Trandel, je te conseille de pas avancer. Laisse-nous tout trop. Mais là. Non, mais lui, il peut absorber, donc ça. Là. Ah oui, c'est pas bête. Là. Je me disais, si nous on prend cher, en fait, il nous heal. Là. Il absorbe et en plus, il se soigne, donc en passif. Là. Mais là, c'est pas la sortie. Là, c'est safe. Nous prête. Là c'est bon. Alors attention au boule de feu. Le miroir je prends après, on cligne avant. Oh putain de merde. Recule, recule, recule. Ah si je recule je prends la boule de feu, t'es gentil. Ah merde. Sale. Ah putain de merde. Y'a une plante, y'a une plante. What the fuck. C'est plus de mana. Je m'occupe de ça. C'est en PLS. C'est où? Pardon, c'est qui qui a pris des dégâts là? C'est toi. On DPS, on tape. Je m'occupe du chrysal. C'est bon, j'ai. J'ai le miroir. L'esquive de fou. Allez, on y croit. Alors là, j'ai fait. J'espère que t'as bien filmé. Oh, mais je bouge pas, moi. C'est donc. C'est immortalisé à 10, ça, c'est nickel. Alors, par contre, il y a une plante quelque part. Mais j'ai pas confiance en eux là, ils sont bizarres. Je sais pas où est la plante, si quelqu'un l'a vu. Bim 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 bim. Café. Vous l'avez vu la plante ou pas parce que. Non. Ah non. Oh mais c'est bon, ça me fait que un de dégâts. Tu sais moi je vois des trucs, j'ai confiance quoi. Mon grappin il sert à rien, mais si à pécho l'amour, hein. Vous allez voir, hein. Je vais pécho l'amour. Hein. Je peux stun en plus avec mon grappin, c'est ça. J'ai plus de vie, je vais aller chercher le truc de. Trandel, Trandel, t'es pas le plus résistant et. Franchement faut pas faire ça, faut pas. Bah, laisse-le tranquille, le pauvre petit choupinou. Laisse-moi faire ça là. Alors, je prends un dégât par un dégât. Oui, mais moi, je fais plus piou-piou maintenant, je vais slash, 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 slash. Dès que vous voyez un checkpoint, prenez-le parce qu'autrement, c'est reset au début du parcours. Oh c'est violent. Putain, quel con. T'es sérieux? Je vais mourir. Si tu meurs. Je suis morte. Ouais, c'est bon, hein. Est-ce que je dois te rappeler la partie d'avant qui était super simple et tu as fait que de mourir? Moi, au moins, je meurs quand c'est difficile. Ouais, c'était terriblement difficile. Bah, du coup, je t'attends ce fight pour parfois du force. Ça me saoule un peu là. Combien il nous faut un checkpoint pour sauvegarder et mettre fin en live? Attends, je suis un peu perdu là. En bas à gauche. Ah non, je suis parti dans le mauvais endroit. Oh, cette partie, ce donjon est trop difficile. Je suis toujours attiré par le feu. Il se moque de moi parce que je suis toujours attiré par le feu. Ouais, faut pas jouer avec le feu. Mais je suis désolé, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que je. Ah oui, c'est là. Trouver un boss à mouche. Il y a peut-être un passage à gauche. Mais ça mène nulle part. À gauche, c'est là où on était tout à l'heure. T'es sûr? Ouais, ouais. Ça sert absolument à rien d'aller à gauche. Bon, laisse tomber.
Non, ça... ah oui, ok, ouais. Ah, oh, ça revient au tu même. Tu peux venir. Oui, ça revient au même, tu peux venir, sûr. Là. Si on pique, quand même. Ouais. Et lui, il tombe bien parce que j'ai plus de vie. On a trop peur pour traverser. C'est trop difficile, cette énigme est la plus difficile du jeu. Ah, tu m'as mis mid mana quoi. Pour très jeune full life. On peut descendre. Descendez. Pourquoi? Parce que la suite du niveau, ça en va. J'ai pas envie. Regardez plus, un checkpoint. Bon, c'est parfait. On clean la salle et on prend le checkpoint. C'est ça. Venez vous faire soigner dans mon AOE. La super AOE. Ah, voilà. Aïe, aïe, aïe. Attendez, il y en a encore des. On clean tout. Ah, des magies. Frère, mais je voulais le stun. Voilà, je t'ai stun, bim. Je te restun. Aïe, mais non, il s'est pas stun. Non. Attends, je te heal. Ils ont mouru. J'aurais été un peu dans le jeu, mais vous tout bloquer sans faille. J'active le checkpoint. Pièce à ramasser. Bah, je crois qu'on a fini. Si vous voulez, on peut avancer pour le fun, mais. Bah, non, demi-tour, non, du coup. On s'arrête là. Bah, pour le fun. Ah, y'a des zombies qui arrivent, alors le fun, j'ai pas envie d'aller. Bon, full DPS, full DPS. J'ai mis mon AOE de soin. Comme ça, on avait 10 DPS et 1000. Oh, mais c'est pas compliqué, regarde. Y'a du monde. What? Mais non. T'étais scratch? Bah, oui, mais j'ai utilisé le grappin, donc j'étais collé au truc normalement. Y'a ma smoke de l'autre côté de toute manière. On laisse tomber, on quitte. Bon, on... Ah non, ouais, non, mais c'est la fin. C'est l'heure de la fin. Voilà. Et oui, on doit vous abandonner. Donc, bah, merci de nous avoir suivis pendant 3 heures encore. 3 heures, bon, vous êtes un petit peu moins nombreux que les jours précédents, mais c'est normal. Il y a ceux qui ont pris le boulot ou les cours. Il n'y a pas de mal à ça. Mais de toute manière, je pense que si on continue, enfin, on sera présent tous les matins. Donc, pas de soucis par rapport à ça. Et d'ailleurs, on va dire au revoir au niveau de YouTube parce que j'ai des choses à expliquer. Intéressant. Donc merci de nous avoir suivis sur YouTube et puis à dans la prochaine vidéo parce qu'il y a plein de vidéos sur notre chaîne YouTube. Allez, ciao. Tchou tchou YouTube.